Donc, bienvenue à tous, merci d'être là. Donc, je vais vous présenter en fait des travaux que l'on mène. Alors, je suis évidemment pas tout seul, hein. J'ai évidemment plein d'acolytes et donc beaucoup de membres du GREA, qui est le groupe de recherche en écologie arctique, que je vais vous présenter un petit peu tout à l'heure. Et c'est des travaux qui sont menés en partenariat avec l'Université de Bourgogne et l'Institut Paul-Émile Victor, donc l'Institut polaire français. Alors, je vais vous parler évidemment aujourd'hui des lemmings. Alors, les lemmings, évidemment, c'est un animal phare des écosystèmes arctiques. C'est ce que je vais essayer de vous faire passer comme message aujourd'hui. Donc, c'est des toutes petites bestioles. Hein. Voilà quelques photos de lemmings. Donc, on va commencer par une petite présentation. Donc, c'est un mammifère. C'est un des plus petits mammifères, puisqu'il fait une moyenne de taille d'environ 13 centimètres. Et c'est le mammifère terrestre qui remonte le plus au nord en termes de latitude. On le trouve à 83 degrés de latitude nord, par exemple, au Groenland. Donc, c'est vraiment l'extrême pour les mammifères. Alors, dans ce terme générique des lemmings, il y a évidemment plusieurs espèces. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de toutes les espèces. Je vais vous parler de quelques espèces clés. Voici par exemple le lemming des toundras des Norvèges, qui est relativement bien étudié, qui s'appelle en latin Lemus lemus. Moi, je vais vous parler aujourd'hui plus particulièrement de notre objet d'étude au Groenland, qui est le lemming à collier, qu'on trouve au Groenland, mais qu'on ne trouve pas forcément qu'au Groenland, puisqu'on le trouve en Sibérie, en Alaska, mais aussi dans le grand nord canadien. Donc, on va se focaliser aujourd'hui sur ce lemming à collier. Tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui sont issus des travaux, notamment au Groenland, sur ce lemming à collier. Alors, si on continue un petit peu plus dans la présentation, c'est un mammifère qui vit très haut en termes de latitude nord, donc évidemment dans des conditions de survie extrêmement difficiles, et il a évidemment plein d'adaptations. Il peut résister à un froid relativement constant, jusqu'à quasiment moins 50 degrés Celsius en hiver pour les latitudes les plus nord. Mais aussi, il est capable de vivre dans un milieu où la couverture neigeuse peut être extrêmement abondante, persistante, jusqu'à 9 mois dans l'année. Alors, malgré tout cela, malgré ces conditions extrêmement difficiles de survie, il y a en plus de ça l'obscurité, puisqu'on est en été en jour permanent et en hiver en nuit permanente. Et dans son milieu, il y a évidemment très très peu de nourriture. Donc, vraiment des conditions extrêmes de survie pour ce petit lemming, ces petites bestioles. Mais malgré ça, et c'est ça qui est assez surprenant chez le lemming, c'est qu'il reste actif toute l'année. Il n'y a pas de phase d'hibernation, d'hivernation, etc. Il est actif toute l'année. Donc ça, c'est assez remarquable pour ce petit mammifère d'à peu près 13 cm de long. Alors, comment il fait pour survivre, notamment en hiver? En été, il n'y a pas trop de problèmes. Les températures sont quand même relativement clémentes. Alors, il faut s'entendre, relativement clémente au Groenland, c'est 0, 1, 2, 3 degrés. En hiver, évidemment, ça descend beaucoup plus. Alors, comment il fait? Eh bien, tout simplement, quand l'hiver va commencer, va arriver, il va récupérer de l'herbe dans son environnement. Il va agglomérer cette herbe-là dans ces petites boules qu'il va placer au début des congères, au début quand la neige va tomber. Et il va vivre à l'intérieur de cette petite boule d'herbe sèche pendant toute la saison hivernale. Ensuite, la neige, pardon, va tomber dessus et on va avoir ces petites boules à l'intérieur de ces névées de neige avec parfois plusieurs mètres de neige au-dessus de sa tête. Et donc, il va vivre très très bien là-dedans. Et quand ça fond, eh bien, sur le terrain, voilà un petit peu le genre de choses qu'on peut retrouver qui va nous servir. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Voici ce nid d'hiver et vous voyez dans la neige des galeries. Alors, c'est une bestiole relativement propre parce que ici vous avez les latrines. Donc, il va déféquer ici en hiver dans des latrines et puis ensuite revenir dans son nid. Et donc, il reste actif toute l'année à l'intérieur de ce nid. Sa nourriture, je vous dis, sa nourriture, évidemment, c'est relativement pauvre. Il se nourrit principalement de plantes et il a une plante privilégiée qui est le saule arctique, qui est un petit arbre qu'on va trouver au Groenland, donc que vous avez sur cette photographie. C'est quasiment sa seule source d'énergie. Il est quand même relativement spécifique par rapport à ce saule arctique. Alors, chose étonnante encore chez ce lemming, pour continuer un petit peu la présentation, c'est que malgré ces conditions hivernales très dures, malgré les conditions estivales qui sont peu clémentes, eh bien, ils sont capables d'avoir un taux de reproduction extrêmement important. Par exemple, les jeunes, quand ils vont commencer à évoluer et devenir adultes, ils vont se reproduire très très vite. Ils sont capables de se reproduire quasiment quelques semaines après la naissance. Ça ne veut pas dire qu'ils le font tous, mais ils en sont capables. Pendant l'été arctique, qui dure à peu près 2 à 3 mois en fonction de la latitude sur laquelle on est, les femelles peuvent avoir jusqu'à 2 voire 3 portées par an, avec un nombre de jeunes qui peut être relativement important, 7, 8, voire plus.
Chose aussi surprenante, c'est que malgré le fait que l'hiver soit extrêmement compliqué, il est aussi capable de se reproduire en hiver. Il ne le fait pas tout le temps, mais il est aussi capable de se reproduire en hiver. Donc ça, c'est aussi quelque chose de remarquable, parce que le stress thermique est extrêmement prononcé. On ne sait pas exactement quelles sont les adaptations derrière, comment il fait toujours pour se reproduire en hiver. Ça reste encore relativement un peu étudié, parce qu'il n'y a pas de scientifiques en hiver au Groenland, mais ça pose évidemment beaucoup de questions. Alors ce petit lemming dans cet environnement, il a aussi beaucoup de prédateurs. Je vous présente les prédateurs parce qu'on va revenir aussi beaucoup lors de cette conférence sur ces prédateurs. Alors il a plusieurs types de prédateurs, notamment des prédateurs aviaires. Vous avez ici le lab à longue queue qui est en train de manger un lemming. Et puis vous avez aussi ici ces fameuses chouettes arfans, des grosses chouettes bien blanches qu'on va trouver dans toute la zone arctique. À côté de ces oiseaux-là, il a aussi d'autres prédateurs, l'hermine. Plutôt un prédateur qu'on va trouver en hiver. L'hermine est le seul prédateur qui reste aussi pendant l'hiver. Tous les autres, en fait, établissent une migration. Et puis le renard arctique. Donc c'est les quatre principaux prédateurs des lemmings dans l'écosystème arctique. Et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est ce fameux cycle des lemmings. Alors qu'est-ce que c'est que ce cycle des lemmings? Vous allez trouver sur ce graphe les années qui passent. Donc on a commencé à étudier le cycle des lemmings au Groenland en 1988 et on continue à le faire encore aujourd'hui. Et puis vous allez avoir sur cet axe-là la densité de lemmings sur une échelle logarithmique. Et quand on étudie ça tous les ans, eh bien voilà ce qu'on va trouver en termes de cycle de lemmings. Ce sont des véritables cycles de pullulation qui durent à peu près 4 ans avec une augmentation très rapide pendant 2 ans du nombre de lemmings et puis ensuite une disparition très rapide du nombre de lemmings. Alors, c'est quand même très très particulier parce que quand vous allez au Groenland dans les années de pic, grosso modo des lemmings vous envoyez partout, ça court partout, ça court même sous vos tentes, donc par exemple ça vous chatouille un petit peu les reins quand vous êtes en train de dormir. Et puis vous revenez un an et demi ou 2 ans après, ben vous trouvez quasiment plus aucun lemming dans l'écosystème. Et ces cycles de pullulation de lemmings, d'explosion démographique et ensuite de disparition, ça a évidemment excité beaucoup la communauté scientifique, mais aussi beaucoup de gens pour comprendre pourquoi, avec une telle densité de population, on avait une disparition quasiment automatique 2 ans après de ces lemmings. Et donc, ça a donné... C'est l'origine de beaucoup de mythes sur les lemmings. Vous avez peut-être entendu parler du fameux suicide collectif des lemmings. Pour expliquer effectivement la disparition des lemmings, on a émis, alors c'est depuis très longtemps, parce qu'on trouve déjà des traces de ces histoires de suicide dans les sagas scandinaves, que les lemmings se suicidaient. Un suicide collectif, et quand vous tapez suicide collectif des lemmings sur Internet, vous trouvez plein de photographies aussi délirantes les unes que les autres. Vous avez ici les lemmings là, qui se poussent tous les uns avec les autres. Il y en a un qui est quand même plus intelligent que les autres, il a mis une petite bouée. Et puis vous avez ici des lemmings qui sont de la falaise avec d'autres ici qui notent le saut artistique. Alors je vous ai mis un échantillon, hein, mais il y en a évidemment une multitude. Alors ce suicide collectif, en fait, il a été popularisé par Walt Disney, par un film en 1958, film de Walt Disney qui a prétendu avoir pour la première fois observé et filmé le suicide des lemmings. Alors je vais vous passer ce petit film, c'est un petit film de qualité assez médiocre, parce qu'il est très très vieux, mais vous allez voir pour la première fois le suicide collectif des lemmings. Alors c'est une vidéo en anglais, mais peu importe les commentaires, l'important c'est le suicide. Donc là vous avez votre petit lemming qui évolue. Dans sa neige, dans son environnement tout à fait classique. Et voilà, là ils sont beaucoup trop hauts, donc il faut se suicider. Et donc là ils ont filmé ça au bord d'une falaise avec tous les lemmings qui se jettent dans le vide. Pour se suicider, ils vont tomber dans l'eau, évidemment, la fin va être tragique. Donc on hésite quand même à se suicider, mais poussé par l'entrain collectif, eh bien on saute. Out into space.
Vous remarquez que la caméra est quand même bien placée, hein. Alors évidemment ils peuvent nager, mais les quelques-uns vont finir par se noyer. Triste fin pour un lemming. Et vous voyez que certains évitent même la falaise, mais se jettent quand même dans l'eau. Gradually, strength wanes. Determination ebbs away. And soon the Arctic Sea is dotted with tiny bobbing bodies. Donc voilà la fin très triste des lemmings. Et donc à partir de ce film, ça a créé un véritable buzz médiatique. On est dans les années 60, hein, donc c'est là où vous allez retrouver plein de fiches. Alors j'aime beaucoup celle-là, là, c'est un lemming qui avoue pour la première fois à sa consœur. Marlène, je n'avais jamais osé te le dire, mais je t'aime. Mais bon, il est un petit peu trop tard. Et puis il y a même eu des jeux vidéo développés sur ce suicide des lemmings. Alors c'est un jeu vidéo auquel je devais être destiné à travailler dessus, parce que quand j'étais gamin, je jouais beaucoup à ça. Alors c'est des lemmings qui tombent ici, qui vont tout droit, et que si on fait rien, et ben en fait ils vont sauter. Donc il faut mettre des individus bloqueurs pour les faire retourner et ensuite les faire arriver à leur maison. Donc il y a eu un véritable buzz sur ce suicide des lemmings. Et évidemment, nous en tant que scientifiques, c'est pas très satisfaisant de dire que des animaux vont se suicider pour disparaître. Et donc on a essayé d'expliquer l'origine de cette cyclicité, de cette dynamique de pullulation de lemmings qui est sur une période de 4 ans. Et donc ça, c'est un des projets phares du GREA, auquel j'appartiens, qui est le groupe de recherche en écologie arctique. Ça, c'est une photo qu'on a prise, par exemple, à 3h du matin lors d'une mission au Groenland sous jour permanent, avec Olivier Gilles, qui est le président du GREA depuis maintenant très très longtemps. Alors ce groupe de recherche en écologie arctique, c'est un groupe qui a été créé en 1973, qui a réuni à peu près maintenant 200 passionnés de l'Arctique, qui a pour but de sensibiliser le grand public et d'apporter des connaissances de plus en plus importante sur les écosystèmes arctiques. Donc évidemment, en 1973, ça a débuté, et puis maintenant, c'est devenu de plus en plus intense. Donc on mène, avec ce GREA, des expéditions dans l'ensemble de la zone arctique. Je vais vous parler des travaux du Groenland, mais il y a bien d'autres travaux qui sont menés un petit peu partout. Chaque point rouge que vous voyez ici, c'est une expédition qui a été menée par des membres bénévoles du GREA. Donc vous voyez que ça nous permet quand même d'avoir une bonne connaissance de cet écosystème arctique. Et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est les travaux du Groenland qui ont été initiés maintenant depuis 1988, tout d'abord sur l'île de Trell, qui est ici, à peu près au milieu du Groenland, sur la côte Est, qui est le parc naturel, hein, dans lequel il est interdit d'aller, sauf pour les scientifiques. On a développé ensuite des travaux à la base scientifique de Zakenberg à partir de 1995, un petit peu plus au nord, et puis ensuite des travaux à Hochstetter à partir de 2010. Et puis on a maintenant aussi, et Glenn Yannick vous reviendra dessus, développé des travaux à Station Nord, notamment sur la Moitivoire à partir de 2003. Alors, le lieu d'étude particulièrement, là où moi j'ai travaillé et d'autres membres du GREA, voilà, c'est cette péninsule, cette presqu'île d'Hochstetter-Falkland. Alors vous imaginez bien que pour aller travailler là-bas, c'est extrêmement compliqué. La zone est très, comment on va dire, c'est très difficile d'y aller. Donc c'est des choses qui se préparent quasiment un an à l'avance. Le trajet en avion est relativement compliqué. En général, on part d'Islande et puis ensuite on fait différents stops pour aller dans ce parc naturel où il n'y a personne. On doit louer des avions qui sont particuliers, qu'on appelle des twin otter, avec tout le matériel. Donc vous avez ici le chargement du matériel dans l'avion. Voilà ce que ça donne, hein. On part à peu près pour 2 mois d'autonomie, une tonne de matériel dans l'avion. L'avion, ça nous permet quand même de survoler des beaux paysages. Alors je me permets de vous en faire profiter. On voit des beaux glaciers, on voit des beaux paysages qu'on appelle les Nunatak du Groenland. Voilà des glaciers qu'on voit, de la banquise. Et puis ensuite, on arrive sur site. Et cet avion doit se poser là où il n'y a pas de piste d'atterrissage. Donc, c'est des pilotes qui sont formés pour ça. Ils nous déposent ici. On débarque avec notre matériel. Et puis, l'avion s'en va.
et on doit organiser notre camp. Et on va vivre comme ça dans le camp, en autonomie, faire nos recherches pendant à peu près 2 mois. Alors l'organisation d'un camp dans l'Arctique, c'est assez particulier. Vous voyez, il y a une tente qui est ici à part. C'est la tente un peu cuisine, parce que évidemment, on est dans un endroit où il peut y avoir des ours blancs. Et donc quand ils sont attirés par l'odeur de nourriture, c'est bien d'avoir la tente cuisine à côté. Et puis ensuite, on a des tentes dans lesquelles on dort et dans lesquelles on travaille. Donc vous voyez, la vue du camp, c'est quand même quelque chose d'assez magique. C'est assez agréable quand on se lève le matin. Alors voilà typiquement la zone d'étude sur laquelle on travaille. Donc c'est une grande zone d'étude qui est faite d'un terrain relativement nu avec des lacs de fonte de glace. Donc plus on avance dans la saison, plus le terrain se dégage. Voilà un petit peu notre site d'étude avec le camp au milieu. Donc on va marcher évidemment tous les jours beaucoup pour faire les travaux sur lesquels je vais vous présenter. Alors ce comptage des lemmings, on le réalise à plusieurs endroits, ce qui va nous permettre d'établir la densité de lemmings. Donc les lemmings vivent dans des petits terriers en été. On va mettre des pièges ici à lemmings. Et le lemming, quand il va vouloir sortir de son terrier, il va rentrer dans ce piège. Il y a une petite bascule qui se fait et ça ferme la porte. Et nous, on va relever les pièges de lemmings toutes les 2 heures, qui va nous permettre d'avoir une idée du nombre de lemmings dans notre zone d'étude. Et on va répéter ces comptages de densité de lemmings pendant plusieurs fois pendant la saison de scientifique des 2 mois. Donc voici ce piège à lemmings. Et puis évidemment, tous les lemmings, après avoir pris quelques mesures, sont relâchés vivants. Et donc ça nous permet vraiment d'avoir cette idée de densité. L'idée qu'on a, c'est de dire que ce cycle de pullulation des lemmings, il est dû à, ou il est plus ou moins lié aux effets des prédateurs, à la présence des prédateurs. Si évidemment il y a beaucoup de prédateurs qui mangent beaucoup de lemmings, eh bien on s'attend à ce que les lemmings disparaissent. Et donc on a travaillé sur les 4 prédateurs principaux des lemmings, l'hermine, chouette arfan, renard polaire, l'abbe à longue queue. Et pour déterminer l'effet des prédateurs sur les lemmings, c'est évidemment quelque chose qui est extrêmement intense et qui nous a pris plusieurs années. Qu'est-ce qu'il faut établir? Il faut établir, dans un premier temps, combien j'ai de prédateurs dans la zone d'étude. Est-ce qu'il y a bien des prédateurs? Combien il y en a? Que mangent-ils? Est-ce qu'ils mangent vraiment des lemmings? S'ils mangent vraiment des lemmings, combien ils mangent de lemmings par jour, par année? Si ensuite ils se reproduisent, combien ces prédateurs vont produire de jeunes? Est-ce que cette production de jeunes dépend du cycle de pullulation des lemmings? Est-ce que tout ça est lié? Donc pour répondre à cette question, eh bien les membres du GREA ont passé des années et des années d'observation pour vous présenter les résultats que je vais vous présenter aujourd'hui. Et quand on s'intéresse aux prédateurs, aux relations proie-prédateurs, on s'intéresse à la réponse des prédateurs. Cette réponse des prédateurs vis-à-vis des proies peut se décliner sur 2 axes, on va dire. Donc vous allez suivre avec moi, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Vous avez une densité de lemmings dans l'environnement qu'on a pu déterminer avec ces comptages. On a des bonnes indications de savoir s'il y a des prédateurs, et on va s'intéresser à la réponse des prédateurs. Donc si on prend par exemple une chouette arfan, on va regarder la chouette arfan, combien cette chouette arfan va manger de lemmings par jour. C'est ce qu'on appelle la réponse fonctionnelle, c'est quelle est la variation du taux d'attaque, du taux de consommation des lemmings en fonction de la densité de lemmings. Cette chouette arfan, évidemment, si elle a bien à manger, va produire des jeunes. C'est ce qu'on appelle la réponse numérique. La réponse numérique, c'est-à-dire combien de jeunes la chouette arfan ou le couple de chouette arfan va produire en fonction de la densité de lemmings. Et quand on combine ces 2 réponses, réponse fonctionnelle et réponse numérique, on a ce qu'on appelle la réponse totale des prédateurs. La présence d'un prédateur avec sa reproduction, son nombre de jeunes, vous dit sur X mois combien on a de lemmings qui ont été prédatés. Et on a fait ça pour les 4 types de prédateurs. Donc voilà ce que donne une réponse fonctionnelle d'un prédateur. Cette réponse fonctionnelle, c'est le nombre de lemmings que vous mangez par jour en fonction de la densité de lemmings que vous avez dans votre environnement. Et vous voyez que cette réponse fonctionnelle, bah, plus il y a de lemmings dans mon environnement, plus j'en mange. Mais à un moment donné, c'est pas qu'il y ait, s'il y a beaucoup plus de lemmings, je vais pas en manger plus parce que tout simplement, j'ai plus le temps de les capturer, j'ai plus faim, etc. Donc à un moment donné, il y a un plateau. Ça, c'est la réponse fonctionnelle des renards arctiques que nous avons trouvés vis-à-vis des lemmings pour un site au Groenland. Et on a fait ça pour tous les prédateurs. La réponse numérique, même chose pour le renard arctique. Vous avez le même axe, densité de lemmings avec le nombre de jeunes produits par kilomètre carré. Vous voyez que ça dépend des lemmings. Quand il y a peu de lemmings, on ne va pas produire beaucoup de jeunes. Mais ensuite, quand il y a plus de lemmings, on va pouvoir produire beaucoup plus de jeunes. C'est évident, plus il y a de nourriture, plus la reproduction va mieux marcher et plus je vais pouvoir produire de jeunes. Et quand on combine tout ça avec des modèles mathématiques, voilà le genre de graphique que ça donne. Alors c'est un petit peu plus compliqué à lire, mais on va aller évidemment au plus simple. Vous avez sur ces axes-là les densités de lemmings au début de l'année ou pendant l'été arctique, et vous avez ici le taux de prédation
journalier. C'est ce qui est important. C'est ce calcul de taux de prédation journalier. Et vous voyez que ce taux de prédation journalier, il y a un pic en fonction d'une certaine densité de lemming à l'entrée de l'été et pendant l'été. Vous voyez que ce n'est pas tout partout pareil. Donc, ça montre bien que le taux de prédation varie en fonction de la densité de lemming et qu'il y a une grande influence sur les paramètres démographiques du renard arctique. Et on a fait ça sur tous les prédateurs, les quatre principaux prédateurs, chouette arfan, labat longue-queue, renard arctique, et puis l'hermine, mais je ne vous présente pas l'hermine ici, pour les adultes, pour les jeunes et pour les réponses fonctionnelles. Et vous voyez qu'à peu près, on retrouve à peu près toutes les... On retrouve à peu près les courbes que je vous ai présentées, que ce soit pour la chouette arfan, pour le labat longue-queue ou pour le renard arctique. Et quand on fait tout ça, et quand avec un modèle mathématique, on va combiner tout ça, on est capable de voir la réponse de la dynamique des populations du renard arctique, de la chouette arfan, en fonction de la densité de lemming. Et quand vous faites tourner votre modèle mathématique, ce sont des simulations basées sur des observations qu'on a réalisées sur le terrain, vous retrouvez ici le pic, la densité de lemming qui varie d'année en année avec ce cycle de 4 ans. Et en rouge, c'est la réponse des prédateurs en termes de dynamique des populations. Et vous voyez que ça suit exactement les mêmes fluctuations que les lemmings, mais décalées un petit peu dans le temps. Ça, ce sont les simulations. C'est-à-dire que si on a bien tout compris avec nos modèles mathématiques, on devrait trouver ça sur le terrain. Et quand on fait ça sur le terrain, et quand on suit les dynamiques de population d'hermine, de renard, eh bien, on trouve exactement ce qu'on avait prédit en simulation. Ça montre bien que ces simulations, à partir de données réelles de terrain, prouvent en fait qu'on a bien compris le système des relations proie-prédateur dans l'écosystème groenlandais arctique avec les lemmings. Et ça, c'est vrai pour les quatre prédateurs. Donc, il n'y a pas de suicide collectif finalement des lemmings, c'est tout simplement une interaction proie-prédateur. Il y a beaucoup de lemmings, il y a beaucoup de prédateurs qui font beaucoup de reproduction, puis l'année d'après, il y a tellement de prédateurs qui mangent beaucoup de lemmings et donc les lemmings disparaissent. Donc il n'y a pas de suicide collectif comme l'a prétendu Walt Disney. Alors ça, c'est la situation toute belle qui se passait avant les années 2000. Maintenant, on continue à suivre et depuis les années 2000, voilà ce qu'on trouve. On a une perte de cette cyclicité des pullulations de nos lemmings. Vous voyez que là, on retrouve bien ces cycles de 4 ans. Et puis d'un seul coup, depuis 2000, on a des cycles, mais qui sont beaucoup plus étendus, qui sont moins marqués, etc., etc. Donc évidemment, ça nous a beaucoup interpellés. Et une des hypothèses majeures pour expliquer cette perte de cyclicité, c'est liée au changement climatique. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, les changements climatiques, notamment en Arctique, vont deux fois plus vite et sont deux fois plus intenses en moyenne que partout ailleurs sur le globe. Donc on s'est posé la question, est-ce que c'est lié au changement climatique, cette perte de cyclicité? Ces changements climatiques, on les appréhendait on a utilisé trois paramètres pour pouvoir mesurer ça et inclure ça dans des modèles. On a regardé la date de la fonte des neiges dans nos sites d'études, la période sans neige, est-ce que cette période sans neige est plus ou moins longue, et la fréquence des jours de fonte. Et quand on regarde un petit peu tout ça, eh bien effectivement, on s'aperçoit qu'il y a des très très grands changements depuis les années 2000. La date de la fonte des neiges a avancé au 30 juin en 1980, on est maintenant plutôt au 31 mai, donc on a quasiment perdu un mois. La période sans neige est passée entre 1955 et 2005. Vous voyez, on était à 75 jours sans neige, maintenant on est plutôt autour de 150-175 jours sans neige, et la même chose pour la fréquence des jours de ponte qui a très largement augmenté depuis les années 2000. Donc on s'est intéressé à savoir si ces changements climatiques observés sur le terrain pouvaient expliquer la perte de pullulation de lemming. Alors comment on va caractériser notre cycle de pullulation de lemming? Pour caractériser un cycle, il y a plusieurs facteurs qu'on peut prendre en compte. On peut prendre la période, c'est-à-dire l'espace qui nous sépare entre deux pics, on peut prendre aussi l'amplitude, et puis on peut prendre la densité max au pic. Quel est le pic de pullulation? Alors on s'est servi de ces trois paramètres et on a fait des modèles mathématiques liés avec les variations de paramètres climatiques. Et je vais vous présenter les résultats. Ces résultats vont être exprimés sur un graphe où vous allez avoir la durée de cycle, la densité max au pic et l'amplitude des cycles. On a fait tourner des simulations pour trois scénarios. Un été normal qui dure à peu près 3 à 4 mois en fonction de la latitude. Et puis on a rajouté un mois d'été, ce qui est prédit dans les 5 années qui vont arriver avec le réchauffement climatique, et avec 2 mois en plus d'été à l'horizon de 20 ans. En fait, le graphe que vous avez ici est un petit peu difficile à lire, mais ce n'est pas très compliqué non plus. Ici, c'est l'amplitude des cycles. Pour l'été normal en bleu, en rose plus 1 mois, en jaune plus 2 mois. Et vous voyez qu'il y a des grandes variations dans le cycle. L'amplitude diminue avec l'augmentation de l'été. La densité max au pic qui est ici diminue en jaune,
par rapport à un été normal. Et dans cette petite boîte ici, c'est la durée des cycles. Vous voyez qu'en jaune, si on est un été anormalement chaud, la durée des cycles va augmenter, va passer de 6 ans à 4 ans. Et quand on fait tourner un petit peu tous ces modèles, eh bien on s'aperçoit qu'effectivement, la variation de ces paramètres climatiques explique en partie la perte de cyclicité des lemmings. Donc on est bien ici en train de prouver, ce sont encore que des résultats préliminaires, mais on est bien en train de prouver que ce réchauffement climatique qui a lieu en Arctique est en train de perturber les cycles de pullulation de lemmings. Et une image pour visualiser un petit peu ce qui se passe, c'est un petit peu l'image du ressort. Vous prenez un ressort et vous l'étirez plus ou moins fort et puis vous le laissez revenir dans sa position. Et bien en fonction de la dureté du ressort, il va soit osciller très très fort, soit osciller beaucoup plus doucement avec des amplitudes qui sont plus ou moins variées. C'est un petit peu ce qui se passe, c'est un petit peu cette histoire de ressort qui est en train de changer actuellement très vite. Ça, c'est parce que là on parle des années après les années 2000, donc ça va relativement vite. Donc ça vous permet un petit peu de visualiser ce qui se passe. Et la question aussi devient... Comme les prédateurs sont très dépendants des lemmings, est-ce qu'il y a des conséquences pour les prédateurs de cette perte de cyclicité des lemmings? Eh bien, on continue toujours à étudier ça, on continue à étudier la productivité de nos prédateurs. Et je vais vous montrer les résultats aussi, qui sont quand même très, très alarmants. Vous avez ici la comparaison de taux de reproduction, de productivité, entre avant les années 2000 et après les années 2000. Donc avant la perte de cyclicité et après la perte de cyclicité. Pour le renard arctique, on perd à peu près 25% du taux de reproduction en ce moment. Ce qui est bas, mais encore pas dramatique par rapport aux autres. Le lab à longue queue, on a perdu 80% entre les avant 2000 et après 2000. Et le pire, c'est pour la chouette arfan, on a quasiment perdu 100%. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, sur notre zone d'étude, il n'y a plus de chouette arfan qui se reproduit, principalement dû à la perte de cyclicité des pullulations de lemmings. Donc vous voyez qu'il y a des conséquences relativement importantes et que ce cycle de lemmings structure l'ensemble de notre écosystème arctique. Je vais finir cette présentation par vous parler maintenant des recherches que nous sommes en train de mener depuis 4-5 ans, où on travaille sur les interactions maintenant indirectes. On va un petit peu plus loin. Je vous ai présenté ici les interactions directes. Cycle de lemmings qui a des importances fondamentales sur le cycle des prédateurs. Eh bien, on s'intéresse maintenant à d'autres types de faune, les oiseaux, notamment les bécassos, et on s'est demandé si ce cycle de pullulation de lemmings qui a une grande importance sur les prédateurs pouvait aussi impacter d'autres composantes de l'écosystème arctique. Les bécassos, pourquoi ? Les bécassos sont très intéressants à étudier parce qu'on va parler ici de stratégie parentale et que chez les bécassos, il y a plein de types de stratégies parentales différentes. Et ça nous permet de voir si on a une évolution des stratégies parentales en fonction de la densité des lemmings. Donc ces stratégies parentales chez les bécassos, on peut l'exprimer un petit peu comme ça. Vous avez plein d'espèces de bécassos qui peuvent se reproduire dans l'écosystème arctique. Donc là, vous savez tous les noms de bécassos en latin, mais ce n'est pas très, très important. Avec les périodes d'incubation pour les mâles, pour les femelles, pour le jour, pour la nuit, etc. Vous voyez, quand vous comparez un petit peu les patchs jaunes et les patchs bleus, ben vous voyez que vous avez un petit peu tous les patterns. Vous avez soit des individus qui vont... C'est la femelle qui va couver la nuit, et c'est le mâle qui va couver le jour. Il y en a d'autres, bah c'est un petit peu plus n'importe quoi. Les mâles et femelles se relaient. Et puis, vous avez ici plein de patterns différents. Et donc, avec cette diversité des stratégies d'incubation chez les bécassos, on peut regarder s'il y a un lien avec le cycle de pullulation des lemmings. Et je vais vous présenter simplement ce qu'on est en train de faire sur le bécasso sanderling. C'est une espèce phare qui nous intéresse particulièrement parce que ce bécasso, il est très plastique dans sa stratégie d'incubation. On peut trouver des nids de bécasso qu'on appelle monoparental, c'est-à-dire c'est un sexe qui va couver les œufs et qui va s'occuper des jeunes. Grosso modo, les deux sexes se reproduisent, et puis il y en a un qui abandonne, et puis c'est l'autre qui va s'occuper du nid. Donc là, vous avez par exemple un seul individu qui est en train de couver ses petits œufs. Et puis vous avez une stratégie biparentale, où là, c'est les deux parents qui vont s'occuper de la couvaison et de l'élevage des jeunes. Et ça, ça peut switcher très très vite, ça peut changer très très vite. D'une année à l'autre, vous pouvez trouver un couple en monoparental, puis l'année d'après, vous le trouvez en biparental. Donc ça change relativement vite. Et ça, ça nous intéresse de savoir quelle est l'origine de ce changement. Et le scénario qu'on a émis, pour lequel d'ailleurs on a obtenu différentes bourses de recherche, eh bien, c'est de dire que tout ça dépend des lemmings. S'il y a peu de lemmings dans mon environnement, bah évidemment, les prédateurs, eux, n'ont rien à manger. Et les prédateurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont quand même chercher à manger et ils vont chercher des proies alternatives, et ces proies alternatives, ça pourrait être les bécassos, ça pourrait être les adultes, ça pourrait être les œufs. À ce moment-là, s'il y a beaucoup de prédateurs qui n'ont pas beaucoup de lemmings à manger, on devrait avoir un taux de prédation très fort sur les nids, et pour protéger son nid, mieux vaut être deux que tout seul. Et donc on s'attendrait à avoir beaucoup de nids biparentaux les années où il y a peu de lemmings.
Les années où il y a beaucoup de lemmings, moins de problèmes. S'il y a beaucoup de lemmings, tous les prédateurs sont bien contents, ils peuvent bien manger à leur faim, et donc laisser les bécassos tranquilles. Et donc là, on s'attendrait à avoir plutôt une stratégie uniparentale qui permet de favoriser la survie des adultes, en tout cas celui qui ne se reproduit pas. Et donc on a fait ça, on a suivi les stratégies biparentales et monoparentales en fonction de la densité des lemmings sur plusieurs années. Alors comment on fait ? Eh bien, on va sur le terrain. Il faut d'abord trouver les nids de bécassos. Un nid de bécassos, dans la toundra, ça ressemble à ça. Vous avez un petit peu de végétation, puis vous avez les quatre ici. Je vous garantis que c'est très cryptique. Moi, ça m'est déjà arrivé de l'avoir à un mètre à côté de mon pied sans le voir. Donc, c'est évidemment très compliqué à trouver ces nids de bécassos dans l'écosystème arctique. Et trouver des nids de bécassos dans notre zone d'étude, bah, vous imaginez bien que c'est très compliqué. Alors, comment on fait ? Eh bien, en fait, on marche avec une grande corde entre deux scientifiques qui vont tirer une corde sur des dizaines de mètres, ce qui va nous permettre de faire lever les oiseaux du nid. Et quand on fait lever les oiseaux du nid, chez les bécassos, il y a une stratégie anti-prédateur qui consiste à faire la technique de l'aile cassée. La technique de l'aile cassée, c'est de dire « Oulala, il y a un prédateur qui arrive, il va manger mon nid. » Donc très vite, je m'en vais de mon nid en mimant un oiseau blessé. Donc là, c'est ce que vous avez. Là, vous avez un oiseau qui est en train de mimer le fait qu'il ait une aile cassée, etc., qu'il ait du mal à avancer, pour détourner l'attention du prédateur. Et le prédateur, au lieu de chercher les œufs, il va aller m'attaquer parce que je suis faible. Et dès que le prédateur arrive, hop, je m'envole. Mais au moins, j'ai détourné son attention. C'est la même chose pour nous. Donc nous, dès qu'on a un oiseau qui se lève et qui fait la technique de l'aile cassée, bah, qu'est-ce qu'on fait ? On recule. Et en reculant, en fait, on va suivre l'oiseau qui va retourner à son nid. Et ça nous permet de repérer le nid. Et quand on repère le nid, on va poser une sonde que vous avez ici, qu'on appelle un tiny tag, qui est une petite boîte qui va nous permettre d'enregistrer les rythmes d'incubation. Vous avez ici la sonde au milieu des quatre œufs, et quand l'oiseau va se poser, ça va toucher sa plaque incubatrice qui va nous permettre d'enregistrer la température. Et ça nous permet de savoir à tout moment, est-ce que l'oiseau est sur le nid, est-ce que l'oiseau n'est pas sur le nid, parce qu'on a un décrochage de température. Et voilà ce que ça donne, ces courbes de température au nid. Donc vous avez des variations comme ça, donc là c'est une journée, un autre jour, et puis vous avez les courbes de température, donc là la température chute, c'est que l'oiseau n'est plus sur le nid, et quand l'oiseau revient sur le nid, la température des œufs augmente. Donc ça nous permet de savoir ça, est-ce qu'il y a un oiseau ou est-ce qu'il n'y a pas d'oiseau sur le nid. Mais ça nous permet en plus de savoir s'il y a deux oiseaux en même temps qui incubent ou un seul oiseau. On a, à partir de ces données, fait un modèle mathématique. On a fait à partir de ces courbes d'enregistrement de température un modèle mathématique qui nous permet de prédire si on a un adulte ou deux adultes. Alors c'est un graphe assez compliqué. En fonction du nombre de sorties dans la journée et de la durée de ces sorties dans la journée, eh bien vous avez ici les nids monoparental et ici les nids biparentaux. Et donc vous voyez qu'il n'y a aucun overlap entre les deux, donc on est sûr à 100% de savoir si on a un seul oiseau ou deux oiseaux sur le nid. Donc on peut établir la stratégie monoparentale ou biparentale. Et en plus, on est capable de savoir si le nid a été prédaté ou si le nid a été mené à terme. Vous avez ici une courbe de température qui diminue progressivement, donc là c'est qu'il y a une éclosion. Par contre, vous avez une courbe de température ici qui chute brutalement, c'est que là vous avez eu une prédation. Donc avec ces enregistreurs de température, on sait s'il y a un sexe ou deux sexes qui couvent et si le nid a été prédaté ou pas prédaté. Et je vais vous montrer les premiers résultats. Et là, vous avez un scoop devant les yeux parce que ce n'est pas encore publié. C'est les premiers résultats qui viennent de sortir. Vous avez sur ce graphe la densité des lemmings qui varie en fonction des années et puis la proportion de nids biparentaux dans notre environnement. Donc ici, il y a peu de nids biparentaux. Ici, il y a beaucoup de nids biparentaux. Et chaque rond représente une année d'observation. Alors la relation n'est pas très très jolie, on est en train de la compléter, mais vous voyez que les années où il y a beaucoup de lemmings, c'est la seule année où il y a eu beaucoup de lemmings, la proportion de nids biparentaux a chuté. Quand il n'y a pas beaucoup de lemmings, on a beaucoup plus de nids biparentaux. Donc ça semble aller dans le sens de notre hypothèse. En fonction de la densité de lemmings, on a un switch de la stratégie d'incubation entre monoparental et biparental. Pour conclure sur cet exposé, qui résume un petit peu l'ensemble des recherches qu'on a fait, mais évidemment, ce n'est qu'un survol. Ben, ce que j'ai voulu vous dire, c'est qu'ici, une seule espèce, le lemming, ce lemming à collier au Groenland, eh bien, structure l'ensemble de la communauté arctique. J'espère vous avoir persuadé que ça structure en fait la dynamique des populations des prédateurs et que, comme on est en train de perdre le cycle de lemming, on est en train de perdre des prédateurs comme la chouette arfan, mais ça va beaucoup plus loin parce que ça structure aussi en termes d'écologie comportementale, des comportements d'incubation chez des proies alternatives pour certains prédateurs.
C'est ce qu'on appelle un peu en écologie le concept d'espèce clé de voûte. Une espèce clé de voûte, c'est une espèce qui est bien plus importante que toutes les autres. C'est un petit peu indépendant de sa biomasse, mais c'est une espèce qui est bien plus importante que toutes les autres. Et bien, ce lemming, il semble être extrêmement important dans l'écosystème arctique, puisqu'il semble tout contrôler, que ce soit des prédateurs, mais aussi des stratégies d'incubation. Du coup, si on se tourne un petit peu vers l'avenir, on peut être pessimiste, on va dire, par rapport à ce qu'on est en train d'observer, puisqu'on est en train de perdre le cycle des lemmings. Alors, on l'a perdu sur le site le plus au sud du Groenland. Et en fait, comme on étudie trois sites, un au sud, un au milieu et un au nord, on est en train de commencer à le perdre au milieu. On l'a toujours au nord, donc on voit bien qu'avec le réchauffement climatique qui augmente du sud vers le nord, on est en train de perdre ces cycles. Donc, c'est bien lié vraiment au réchauffement climatique. Et on est en train de s'interroger sur le fait, est-ce qu'à terme, on va avoir un effondrement complet du système, de ses relations dans cet écosystème arctique. Et ça me fait finir cet exposé sur le modèle du château de cartes de la biodiversité. Ce modèle du château de cartes de la biodiversité, c'est assez simple à comprendre, en fait. Et j'aime bien cette analogie qu'on peut faire avec un chef d'entreprise qui est ici, et puis les ouvriers qui soutiennent l'entreprise. Et puis le chef, ici, n'est pas très content de cet ouvrier-là, donc il le vire. Donc, par contre, la charge repose sur les deux ouvriers restants, mais ça continue à fonctionner. Puis bon, celui-là, il n'est pas très satisfaisant, donc le chef aussi le vire. Et puis bah, du coup, toute la charge de l'entreprise retombe sur un seul ouvrier, puis à un moment donné, le système s'effondre. Et ça s'effondre très très vite. Et bien en fait, ce qu'on a montré dans l'écosystème arctique, et on en est relativement persuadé à travers toutes les études qu'on fait, c'est que en dessous de ces différentes personnes ou ces différentes espèces qui soutiennent l'écosystème arctique, eh bien en fait, en dessous de tout ça, il y a le lemming. Parce que le lemming structure toute la communauté arctique. Et si on perd ce lemming, eh bien on s'attend à quoi ? On s'attend à ce que le système s'effondre complètement. Et on s'attend, du coup, on peut se poser la question, est-ce que ce qu'on observe depuis 5-6 ans, est-ce qu'on continuera à l'observer il y a 15 ans ? Par exemple, quand on va se promener au Groenland dans nos systèmes d'études, on voit régulièrement des renards arctiques, on voit régulièrement des hermines, on voit régulièrement des labs. Les chouettes arfans, c'est quasiment fini. On en voyait il y a 10 ans, maintenant, on ne voit quasiment plus de chouettes arfans sur nos sites d'études. Est-ce que ça sera la même chose pour les renards, pour les labs, pour les hermines? Ça reste encore à prouver. Il semble que pour les labs, ça commence à être le cas, notamment sur les zones les plus au nord, où les labs commencent à ne plus se reproduire, errent un petit peu dans ce milieu, et puis ensuite font une migration très précoce et s'en vont ailleurs. Donc, est-ce qu'on aura un paysage de désolation lié à ces cycles de lemming et ce réchauffement climatique? Ça reste à voir. Et pour voir tout ça, eh bien, en fait, on a établi un consortium de recherche au sein de la zone arctique. Vous retrouvez ici nos trois sites de Groenland sur lesquels on est en train de travailler. Et maintenant, on a des partenariats avec des Russes, avec des Canadiens, avec différents endroits qui nous permettent d'avoir différents sites dans la zone arctique avec un gradient nord-sud pour étudier ces effets de réchauffement climatique en lien avec ces pullulations de lemming, ces stratégies de reproduction des bécassos et de voir un petit peu ces effets de réchauffement climatique. Donc, l'avenir nous le dira, mais on est quand même relativement pessimiste par rapport à ce qu'on observe. Je vous remercie beaucoup. Merci à Rémi Marion pour son invitation à ce colloque. Et effectivement, il y a urgence pour la nature arctique. Merci aussi aux précédents contributeurs. J'ai appris beaucoup de choses sur cet écosystème terrestre et on va parler des écosystèmes marins. L'association que je préside, c'est la fusion du réseau UCEA, USEA, Undersea Soft Encounter Alliance, et l'association Orques sans frontières. Notre but, c'est de connaître, faire connaître et participer tant qu'on peut à la protection des orques et plus généralement à la protection des cétacés, à cette civilisation océanique, comme j'aime à l'appeler. Je vais voir si ça marche. Pardon, excusez-moi. De quoi parle-t-on ? On parle des orques, d'accord ? Et les orques de Norvège, c'est une population qui est estimée à peu près à 1500 individus. Quand on parle des orques, on a l'habitude de dire orques. Il y a une seule espèce, Orcinus orca. Maintenant, on commence à parler d'écotypes sur cette espèce. Et l'écotype qui nous intéresse, c'est l'écotype nord-atlantique type 1, à titre indicatif, par exemple en Colombie-Britannique, ils ont les orques résidents du sud et du nord, ils ont les orques transients, ils ont les orques offshore. En Antarctique, il y a aussi plusieurs écotypes. Jusqu'à il y a quelques mois, la population estimée des orques de Norvège était de 1500 individus. Quand j'ai commencé mes expéditions il y a 20 ans de ça, elle était estimée à 700-800 individus, donc cette population est en croissance, elle est numériquement en bonne santé. Et puis, une organisation qui s'appelle le Norwegian Orca Survey,
La publication est en cours, a utilisé un nouveau modèle mathématique sur la dynamique des populations et il semblerait que la population en fait soit comprise entre 2 et 3 000 individus. Cette organisation a photo-identifié formellement plus de 1080 individus différents. Donc c'est une très grosse population. Si on compare par exemple avec les orques de Nouvelle-Zélande, ils sont entre 2 et 300. Si on compare avec les orques d'Islande, ils sont entre 2 et 300. Là, on a entre 2 et 3000 orques. Et il y a une raison pour laquelle cette population est très importante. Quelques mots sur les activités régulières des orques. Et ça, c'est le fruit de mes observations. D'abord, on les trouve souvent en déplacement. Alors, il se déplace pourquoi ? Pourquoi un individu se déplace ? Un individu nomade comme l'orque, en général, il cherche sa nourriture. Donc, les images parlent mieux que des mots. Quand les orques se déplacent, ils sont tous ensemble. Ils suivent la même route. Ils nagent en parallèle ou pratiquement en parallèle. Vous n'avez pas de trajectoire qui se croise. La vitesse de navigation est comprise entre 4 et 7 nœuds. C'est leur vitesse de croisière. Une fois qu'ils ont trouvé leur nourriture, ils chassent. Et là, on s'aperçoit effectivement que c'est un petit peu différent. On va trouver des orques dont les trajectoires se croisent. Vous voyez, typiquement, si on avait le son, on entendrait les mouettes qui sont attirées par cette activité pour glaner quelques éléments. On va avoir des problèmes. Je vois que ça bufferise. Et quand on voit effectivement les harengs qui explosent à la surface, on sait qu'il se passe quelque chose dessous. On va peut-être passer à une autre vidéo, en espérant qu'elle passe. Voilà. Les temps de chasse des orques sur les harengs, puisque c'est les harengs qu'ils chassent, sont compris entre 40 minutes et une heure et demie. Une fois qu'ils ont chassé, ils sont repus. Et comme c'est un animal social, eh bien, ils passent du temps à jouer. Et ces images me viennent d'une compagnie de whale-watching en Basse-Californie, où vous allez voir, alors les sons ont été collés sur ces images, ce sont des sons de phase de jeu des orques de Norvège sur des images des orques de Basse-Californie, et vous voyez ces fantastiques images de drones où on voit des orques avec leur attitude, qui nagent en position presque parallèle aussi. Et qui sont, quand ils socialisent, extrêmement bavards. À l'issue des phases de jeu, dans la journée, dans la nuit polaire, il y a beaucoup d'informations qui nous manquent. On a des rapports de marins-pêcheurs qui, quand ils veulent bien, nous donnent certaines informations. Mais il y a beaucoup d'informations qui nous manquent. Mais quand le jour est là, on peut les observer en train de se reposer, d'avoir des petites siestes. Et voilà à quoi ça ressemble quand un groupe d'orques se repose. Ils sont complètement immobiles. Les bateaux peuvent s'approcher. Nous, on ne s'approche pas aussi près. Mais si les orques restent immobiles, ça veut dire qu'il est au bon endroit, qu'il a une bonne vitesse. Il reste stationné comme ça. Et ils se reposent. Et quand ils ont fini de se reposer, eh bien c'est simple. Ils se réveillent, ils ont faim, et pour trouver la nourriture, ils se déplacent. Donc on retourne sur le cycle d'activité journalière. Les orques au Nord-Atlantique mangent essentiellement du hareng. Et pour savoir où trouver les orques, c'est un animal qui est assez élusif, qui est difficile à trouver, il faut être capable d'anticiper les mouvements et les migrations du hareng. Et en fait, pour comprendre les migrations du hareng, il faut aussi être capable de comprendre ses cycles de vie. Et c'est tout l'écosystème et toute la chaîne trophique qu'il faut effectivement appréhender dans son ensemble. Et cette chaîne trophique dans le Nord-Atlantique, elle est relativement simple, telle que vous le voyez. Elle est composée de 4 maillons. Le premier maillon, c'est le phytoplancton. Et parmi les espèces, il y a les diatomées, dinoflagellants, on pourra rajouter les cyanobactéries. Deuxième maillon, c'est le zooplancton que l'on pourrait diviser en deux. En fait, ce maillon, il y a des copépodes qui mangent du phytoplancton et il y a aussi des copépodes qui mangent d'autres copépodes qui sont eux-mêmes consommés par les harengs. Et tout de suite, on arrive sur le prédateur apex, le seul prédateur apex, peut-être, du hareng, qu'est l'orque. Donc cette chaîne est très courte et on s'aperçoit et on comprend bien effectivement que tous les phénomènes qui vont affecter
et impacter ces premiers maillons de cet écosystème vont avoir un effet visible sur la population des orques, et c'est quelque chose qu'on pourra observer. Voilà à quoi ressemblent les diatomées. Il y en a, selon les publications, une centaine de milliers d'espèces. Voilà à quoi ressemblent les copépodes. Ce sont des animaux, il faut quand même des microscopes pour les voir. Plusieurs espèces. Parmi ces copépodes, une qui nous intéresse et qui est bien connue, c'est le krill, très importante pour tout l'écosystème. Là, on n'a pas besoin de microscope pour les voir, ce sont des toutes petites crevettes qui vivent dans des bancs, en bancs extrêmement compacts, comme ça, dont se nourrissent les harengs et aussi d'autres espèces, notamment les grandes baleines. On n'a pas la vidéo ? On n'a pas la vidéo. Au secours. Ah, ça y est. Et le troisième maillon, pardon, il y a un petit retard. J'ai des vidéos qui sont assez lourdes, donc effectivement, il y a un petit délai dans l'apparition. Et donc, le hareng, le troisième maillon. Alors, je suis désolé, c'est la terminologie anglo-saxonne, Norwegian Spring Spawning Herring. J'ai pas osé la traduction en français du hareng norvégien qui se reproduit au printemps. Ça passe pas. Donc voilà, c'est la base alimentaire de l'orque. Et quelques informations sur cette espèce très intéressante, Cuplea harengus, pour son nom latin. Donc 2 à 3 poissons au kilo. Remarquez la longévité. 25 ans pour un petit poisson d'une livre, c'est quand même assez important. La maturité sexuelle, au cours de ses 4 premières années, ça a son importance. Il est considéré comme juvénile. Et ce n'est qu'après 4 ans qu'il est apte à se reproduire. Très important, c'est le pourcentage de masse graisseuse à la fin de la période d'alimentation. Pendant tout l'été, les harengs vont s'alimenter en haute mer et vont manger du krill. Et à la fin de cette période, 20% de leur poids de corps est constitué de matière grasse. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils sont très intéressants pour les orques. Parce que c'est une ressource très riche en graisse, et qui dit graisse dit énergie. À la fin de la période d'alimentation, ils vont rentrer dans une période d'hivernage. Et cet hivernage va durer tout l'hiver, donc d'octobre à fin janvier. Et toute cette graisse qu'ils ont accumulée au cours de l'été va être utilisée pour fabriquer des gonades, donc des œufs pour les femelles, de la laitance pour les mâles. Et donc, à la fin de cette période d'hivernage, ils vont être constitués de 20% de gonades. Gonades qu'ils vont perdre, effectivement, pendant le frais. Et ils vont redescendre à 2% de poids de corps. Et ils vont repartir sur leur zone d'alimentation en été. C'est un stock de poissons extrêmement convoité par les prédateurs, notamment l'orque, mais aussi beaucoup de morues, beaucoup d'oiseaux marins. Il y a beaucoup d'espèces qui dépendent de la ressource en hareng dans l'écosystème arctique marin. Et la pêche industrielle, bien sûr. C'est un stock qui a été surpêché dans les années 50 et qui a quasiment disparu à cause de la surpêche. Regardez sur ce graphe, par exemple. Sur un stock estimé à l'origine de 16 millions de tonnes, on parle de millions de tonnes, hein, 16 millions de tonnes, à cause de la surpêche par la Russie, la Norvège, l'Islande, les îles Féroé, le stock est descendu jusqu'à être estimé à 50 000 tonnes à la fin des années 60. L'espèce a pratiquement disparu. Alors, bien évidemment, les pêcheurs se sont plaints, et comme ils étaient sur le site avec les orques, ils ont désigné les orques comme étant responsables du déclin de la ressource. Il y a eu des campagnes d'abattage d'orques assez massives en Norvège et en Islande. Et ce n'est qu'après avoir compris effectivement que c'était la surpêche qui était responsable qu'ils ont pris les mesures qui s'imposaient, à savoir un moratoire sur la pêche de 20 ans. Et à l'issue de ces 20 ans, quand une partie du stock a été reconstituée, a franchi le cap, le palier de 5 millions de tonnes, ils ont recommencé la pêche industrielle, mais cette fois en instaurant un quota de pêche, et ce quota correspond à 10% de la biomasse de reproduction des harengs. Si le stock est estimé tous les ans par l'IMR de Bergen, s'il est estimé à 8 millions de tonnes, le quota attribué aux pêcheurs sera de 800 000 tonnes, ce qui est énorme. Et au cours de ces années, comme ils ont été étudiés, on a pu s'apercevoir d'une modification du circuit migratoire de ces harengs, et ça a un impact, bien sûr, sur la migration des orques. Quelques mots sur cette migration. Vous voyez... Comment marche le pointeur, là ? Ici.
C'est l'endroit où se situe la zone d'alimentation estivale. C'est l'endroit où les harengs vont s'alimenter en krill. À la fin de cette zone, de cette période, ils vont rejoindre quelques zones d'hivernage. Cet hivernage, il a pour but effectivement d'être prêt pour la reproduction qui a lieu lui aussi le long des côtes norvégiennes, et la ponte se fait le long des côtes norvégiennes. En fait, les larves, à l'extérieur des fjords, en fait, les larves sont portées par le Gulf Stream et transportées jusqu'à cette zone, la mer de Barents, où les harengs vont passer les quatre premières années de leur vie au stade juvénile, et ce n'est qu'à l'issue de la quatrième année qu'ils vont effectivement revenir dans le circuit migratoire, venir dans le circuit migratoire, prendre place dans cette biomasse reproductrice. D'accord. Et ce circuit migratoire, des adultes, il a subi des modifications dans le temps. À l'époque de la surpêche, pendant les années de gloire de la pêche, en fait, cette population était divisée en deux parties. Vous avez une partie norvégienne, où vous avez la zone de croissance. Alors, ce sont des croquis que j'ai repris de vieilles publications de l'Institut d'études marines de Bergen, qui ne passaient pas à l'écran, mais je les ai repris dans leur exacte configuration pour avoir une définition un petit peu meilleure. Donc, vous avez une population qui est ici, donc avec une zone d'alimentation estivale, une zone d'hivernage et la zone de reproduction, et ce circuit-là. Et une deuxième population à cet endroit-là, plus près de l'Islande. J'ai quelques doutes quand même sur les limites de cette zone estivale d'alimentation. Je pense qu'elle était beaucoup plus large pour les deux stocks. À la fin des années 70, la population des harengs a quasiment disparu et on s'est retrouvé face à une situation où il y avait presque plus de harengs, 50 000 tonnes, rappelez-vous, et le moratoire a été décrété. Et là, on se retrouve face à une situation avec des zones d'alimentation plus près de la côte, des zones d'hivernage, une ici dans ce que l'on appelle les Lofoten et notamment le Tisfjord, et une en bas dans le Normeray, et quelques points de zone de reproduction. Le stock s'est reconstitué et entre les années 88 et 94, on retrouve une large zone en haute mer d'alimentation, une seule zone d'hivernage et les zones de reproduction, et donc les adultes ont ce circuit migratoire en trois points annuels. Situation qui était valable aussi pour les années 1995-2000, à la seule différence d'une zone de reproduction ici au large des Vesterålen. J'ai commencé mes expéditions en 1998, c'est la situation que j'ai trouvée quand j'ai commencé mes expéditions Orca à ce moment-là. Et puis, on a commencé à voir apparaître, à partir de l'année 2001-2002, une autre zone d'hivernage, même zone de reproduction, même zone d'alimentation, une autre zone d'hivernage plus au nord de la pointe d'Andenes, ici. Et année après année, il y avait de plus en plus, la jeune classe venait fréquenter cette zone d'hivernage, et de plus en plus de harengs qui hivernaient là, et de moins en moins de harengs qui hivernaient là. Et dans le même temps, nous avons vu, par un effet domino, de moins en moins d'orques. La population d'orques se divisait en exacte proportion avec les quantités de harengs qui rentrait dans le fjord et dans le tisfjord d'ici. Cette situation elle a continué à évoluer jusqu'à ce que, en 2008, plus aucun hareng ne venait hiverner dans le tisfjord. Et les orques ont disparu du tisfjord à cette époque-là. Tout l'hivernage se passait au nord de Andenes. Cette situation a continué à évoluer. À partir de 2012, nous avons retrouvé une zone d'hivernage ici, dans cette zone que l'on appelle le Andfjord, les îles de Senja, Kvaløya, près de Tromsø. Pendant 5 ans, de 2012 à 2017, nous avons opéré et observé les orques à cet endroit-là. Et depuis 2017, on s'aperçoit en ce moment que les harengs ont encore déplacé leur zone d'hivernage. Alors, ça peut paraître anecdotique, mais on s'aperçoit quand on fait défiler les graphiques assez vite, que cet hivernage se déplace toujours plus au nord. Et dans le même temps, alors ce ne sont pas des données scientifiques avec des beaux graphiques, mais nos plongeurs ont mis en évidence le fait que l'eau se réchauffait, 4 degrés, 5 degrés, 6 degrés, on change d'hivernage,
4 degrés, 5 degrés, 6 degrés. Et on sait, sur la base de publications qui nous ont été confiées par l'IMR de Bergen, que les harengs, ils ont besoin d'une eau inférieure à 6 degrés pour que l'étape d'hivernage leur permette de préparer la reproduction. Donc, l'hypothèse, qui n'est pas encore prouvée, mais l'hypothèse, c'est que le réchauffement climatique repousse l'hivernage des harengs toujours plus au nord, ce qui va poser quelques problèmes, puisque à un moment donné, cette ressource en harengs, enfin, l'espèce harengs ne trouvera plus les conditions de l'hivernage. Si les conditions de l'hivernage ne permettent pas de préparer la reproduction, il risque d'y avoir, comme l'a dit le précédent interlocuteur, un effondrement de cette ressource. Et s'il y a un effondrement de la ressource en harengs, il y aura un effondrement du stock de la population d'orques et de tous les prédateurs qui en dépendent. Donc, en hiver, on sait que les orques mangent du hareng. Encore une fois, c'est le moment où le hareng est très riche en graisse et c'est une proie qui est facile à attraper, qui ne coûte aucune énergie pour l'attraper, qui est très sûre et qui est extrêmement énergétique. Le bilan énergétique est tel que c'est la raison pour laquelle la population d'orques est en croissance actuellement. La technique qu'ils utilisent pour attraper les harengs est appelée le carousel feeding. Là aussi, c'est une terminologie anglaise. Carousel veut dire manège. En fait, quelques images valent mieux qu'un long discours. Si ça veut partir, voilà. Et vous voyez un groupe d'orques. Le fond du fjord est tapissé de harengs. Et en manœuvrant ces harengs, tous ensemble, en équipe, ils vont faire monter une boule que vous voyez, qu'on appelle le bait ball. Et ils vont faire monter cette boule jusqu'à la surface. Une fois que cette boule est à la surface, ils vont pouvoir la chasser. Ça, ce sont des scènes que l'on arrive à voir assez souvent quand même. La raison pour laquelle on la voit, c'est que cela attire aussi beaucoup d'oiseaux et que les oiseaux, en tournant autour de cette boule de harengs, ils attendent de glaner quelques débris de la chasse des orques, nous montrent l'épicentre de l'action. Donc on peut se mettre en parallèle un petit peu de côté, on peut calculer l'endroit où se mettre pour pouvoir observer ce phénomène de près et pour voir ce qui se passe à l'intérieur, notamment comment ils arrivent à attraper les harengs une fois qu'ils ont isolé cette boule. Et là aussi, une terminologie anglaise, c'est le tail slapping, c'est qu'ils frappent dans la boule de harengs avec la nageoire caudale, et quand les harengs sont assommés, ils les consomment. Voilà, ça devrait partir. C'est un peu sombre, mais ça va s'éclaircir. Donc vous allez voir quelques exemples de tail slapping. C'est dommage qu'il n'y ait pas le son, parce qu'on entend le bang normalement. Ah, on les entend parler aussi. Alors, quand ils sont concentrés sur la chasse du hareng, ils ne prêtent absolument aucune attention aux plongeurs. Ils se comportent avec nous comme si on était quelques méduses flottant là et ils font pas attention à nous. Qui nous permet de prendre des vidéos sympas quand même. Et la particularité, c'est que ils vont manger ces harengs un par un. Depuis toutes ces années, des centaines de fois, j'ai pu assister à ces scènes de chasse. Je n'ai jamais vu de frénésie alimentaire, je n'ai jamais vu de rush alimentaire. Quand deux orques vont sur le même harengs, il y en a un qui s'écarte, ils ne font jamais la course pour essayer de l'attraper en premier. Ils sont extrêmement concentrés, mais extrêmement respectueux aussi. Et ils ne se précipitent pas, il n'y a pas de compétition alimentaire entre les orques. Ça n'existe pas. Et ils mangent les harengs un par un, de manière très calme. Après, ils font le tour de la zone et ils ramassent tous les harengs qui sont assommés, ils vont les ramasser. Ah, c'est un petit peu dommage que ça passe pas mieux que ça, parce que j'avais quelque chose d'assez intéressant. Yeah. Ok. Alors, ils vont les manger un par un, mais je voudrais vous montrer quelque chose, que vous fassiez attention. Si vous regardez bien cet orque, vous allez voir, il va mâcher un petit peu quelque chose et il y a quelque chose qui va sortir de la bouche, vous voyez.
En fait, on pensait, jusqu'à ce que je prenne cette photo, que les orques mangeaient le hareng entier, quand même assez petit. Et ce qui sort de la bouche de l'orque, après qu'il ait mangé, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'orque va attraper un hareng, il va le mâcher comme on mâcherait une olive, et ils vont recracher, vous allez retrouver à l'extérieur la tête, le ventre, l'arête. En fait, ils n'ont consommé que la chair et les œufs, le meilleur. Et ils ont craché ce qui ne les intéresse pas. Et pour ce faire, ça leur prend énormément de temps. Vous imaginez bien, un orque qui va avoir besoin de manger 200 à 300 harengs par jour. Ce sont des longs temps d'alimentation. Une fois que la chasse est finie, une fois que la proie est à disposition, qu'elle est vulnérable, ça prend du temps. Ces orques de Norvège sont aussi réputés pour ne pas être exclusifs comme peuvent l'être les orques de Colombie-Britannique, qui, eux, ne mangent que du saumon et que du saumon. Les orques de Norvège ont été observés en prédation, alors à d'autres moments de l'année, sur des saumons, alors les mêmes, hein, ça a été formellement photo-identifié avec les ailerons, sur des stocks de maquereaux, sur d'autres espèces de poissons, probablement il n'y a pas de raison, morue, lieu. Saumon est un poisson gras, le maquereau est un poisson gras. Il est admis qu'ils recherchent quand même les espèces grasses dans un souci de bilan énergétique. Certains oiseaux marins, pingouins, notamment des mergules, j'ai assisté à des scènes de chasse sur les mergules naines des orques. J'ai aussi une vidéo d'orques qui partage avec deux juvéniles une carcasse de goéland marin. Donc de temps en temps, ils mangent aussi, juste en Norvège, après avoir mangé des harengs, ils mangent aussi un oiseau marin. Donc ce sont les mêmes. Ces mêmes orques ont été observés en prédation sur des phoques, sur des marsouins et même des tentatives de prédation sur des cachalots. Même si là, je suspecte que ce n'est pas le même écotype, puisque dans le Nord Atlantique, il y a deux écotypes, l'écotype 1 et l'écotype 2. Et on sait que l'écotype 2, c'est un petit peu l'équivalent des transients de Colombie-Britannique qui sont plus spécialisés dans la chasse, notamment la baleine de mink. Et je pense qu'il y a une petite confusion, mais ça a été rapporté comme ça, donc je le rapporte tel que je l'ai vu sur les publications. Donc ce que l'on peut dire sur les orques de Norvège, c'est qu'ils mangent des harengs en hiver, quand les harengs sont concentrés, quand ils sont accessibles, et quand ils sont très gras, et que le reste du temps, comme les harengs se dispersent en haute mer pour manger du krill, eh bien les orques basculent sur d'autres stocks de poissons, qu'ils vivent probablement une période de disette. Et ça nous est confirmé par leur apparence physique. Quand ils rentrent au début de la saison dans les fjords, ils sont toujours un petit peu plus maigres. Ils ont notamment une espèce de bosse derrière le melon qui fait état d'un manque de graisse globale. Donc ils ont vécu sur leur graisse un petit peu tout l'été. C'est l'inverse des ours. Hein, je veux dire, c'est en hiver qu'ils s'engraissent et en été, c'est la période de disette. Et je disais tout à l'heure que les orques étaient le seul super prédateur du hareng, mais depuis quelques années, en fait, un autre super prédateur s'est invité à la fête, c'est la baleine à bosse. Alors on ne sait pas très bien pourquoi ça s'est passé. C'est un phénomène qui est récent. C'est un phénomène que l'on a observé en 2012, quand on a retrouvé les orques à l'intérieur du Kaldfjord, qui a peut-être eu pour origine à l'époque où les orques chassaient les rangs en hiver au nord d'Andenes, en pleine mer, là où les baleines à bosse sont dans la zone. Est-ce qu'elles ont vu faire les orques? Est-ce qu'elles ont identifié cette ressource-là, ce stock comme ressource potentielle? Toujours est-il que pendant toutes les années Tisfjord, au tout début des expéditions, on n'a jamais vu une baleine à bosse là où on avait des centaines d'orques. Et là maintenant, on a des centaines de baleines à bosse qui viennent dans les fjords et qui partagent leurs ressources avec les orques. Et la première fois qu'on a pu assister à ces rencontres, on était loin de s'imaginer ce qui se passait. Je me souviens que sur le pont du bateau, on voyait les harengs qui sautaient, on voyait les baleines à bosse qui passaient par-dessus, des orques. Enfin, on les voyait ensemble, on se disait c'est merveilleux, ils coopèrent, ils chassent ensemble, c'est très bien, la nature est merveilleuse, ces animaux sont merveilleux. Et la première fois que j'étais sous l'eau, j'ai pu observer effectivement une interaction sous-marine cette fois entre ces deux super prédateurs, ça a complètement démenti ma première impression. En fait, il y a une très rude compétition qui s'est installée entre les deux super prédateurs. Cette compétition, elle n'est pas brutale, mais elle est spoliante pour les orques, pour une raison évidente. Les orques ont besoin de manger les harengs un par un. Les baleines à bosse, pas vraiment. Elles se rassemblent dans ce qu'on appelle le humpback train. Des fois, il y a 20 baleines à bosse ensemble. Et quand la boule de harengs est à la surface, pas de détail, on arrive par-dessous, on ouvre la bouche et on met tout dedans. Vous vous rendez bien compte que quand les orques ils ont travaillé une heure pour faire monter une boule de hareng et qu'en deux secondes, la baleine à bosse, elle a tout détruit, c'est extrêmement spoliant. Alors, ce que l'on a vu aussi, c'est que cette présence des baleines à bosse, ça empêche les orques d'accéder à la ressource. Alors, vous avez le fond du fjord sur 200 mètres qui est tapissé de hareng et les orques, les en dessous, ne peuvent pas manger. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mangé
autour des baleines à bosse. Ça a eu un impact sur les structures sociales qui étaient extrêmement resserrées pendant les années Tisfjord, et on a vu les orques s'éparpiller autour des baleines à bosse et manger les restes des baleines à bosse. On ne savait plus à quel groupe ils appartenaient, en fait. Et j'imagine que s'ils ont fait ça, c'était vraiment que la spoliation était assez importante. Ça, c'était les deux premières années. Et puis, il y a 2 ans, j'assistais à un phénomène aussi qui était assez curieux, puisque l'expérience que j'avais des carousel feeding, c'était des situations qui étaient très statiques, avec des mouettes qui tournaient dans le ciel, avec le point fixe qui ne bougeait pas et les orques qui tournaient autour. Et puis, je me suis retrouvé face à une situation comme celle-là, où effectivement, à la surface, on voyait les harengs qui étaient poussés par la bande d'orques et qui la déplaçaient en permanence. Et chaque fois qu'on se mettait à l'eau à proximité, il repoussait la boule. On ne pouvait pratiquement rien voir. Il a fallu un petit moment avant que je comprenne effectivement comment opérer pour pouvoir observer ce qui se passait sous l'eau. Et la raison qui a poussé les orques à modifier, à apporter cette modification et à ne plus pratiquer le carousel feeding, mais le rush feeding, ce que j'appelle le rush feeding. Et sous l'eau, ça donne ça. On voit que le gang d'orques pousse la boule d'aran et on voit la baleine à bosse qui attaque. Alors, j'ai une séquence vidéo, je dois en avoir à peu près une trentaine comme ça. À chaque fois que cette situation se présente, en fait, la raison est simple, c'est que en déplaçant la boule de hareng à la surface, la baleine à bosse, au lieu d'attaquer la boule de hareng par dessous et de les piéger par la surface, elle est obligée d'attaquer par le côté, ce qui permet au hareng de s'éparpiller sur le devant en accélérant sur le devant de l'attaque de la baleine et de se rassembler à côté. La baleine rate sa cible 9 fois sur 10 dans ces cas-là. Et en fait, on s'est retrouvé face à une évolution de la stratégie de prédation de l'orque qui a compris que pour mettre la baleine à bosse dans le vent, en fait, il ne fallait surtout pas garder cette boule de hareng statique, mais la déplacer sans arrêt à la surface, comme elle le fait. C'est une adaptation très rapide à un problème qui les embêtait, qui les empêchait de s'alimenter correctement, que moi je trouve extrêmement brillante. Il fallait juste y penser. Et ils y ont pensé, ils l'ont fait, ils ont résolu ce problème. Et l'évolution a fait que cette technique a aussi évolué dans ce que j'appelle le rush feeding 2.0, qui date de cette année, où j'ai observé pour la première fois un phénomène assez curieux. Dans le rush feeding tel qu'on l'a vu là, vous avez une boule de hareng très près de la surface, on voit même l'hareng sauter. Et le groupe d'orques, la famille d'orques qui déplace cette boule de hareng à la surface, qui tape dedans, il y a 3-4 orques qui vont taper, qui vont manger, les orques vont immédiatement reprendre la boule et la bouger. Et au-dessus, vous avez très près les oiseaux marins qui viennent piquer donc les miettes, notamment les têtes de poisson que je vous ai montrées. Et cette année, on s'est retrouvé face à des situations où on ne comprenait pas ce qui se passait sous l'eau. Depuis le bateau, les oiseaux étaient éparpillés. Quand on voyait quelques oiseaux qui piquaient quelque chose, on allait sur place et on se mettait à l'eau et il n'y avait rien. Et c'est après quelques tentatives infructueuses que j'ai compris qu'en fait, les orques contraignaient les harengs à rester dans une quinzaine de mètres de profondeur. Au lieu d'amener la boule à la surface, ils mettaient aussi la pression sur la boule de hareng, sur le bait ball, en passant par-dessus pour la garder dans une quinzaine de mètres de profondeur. Effectivement, les oiseaux marins n'ont plus aucune possibilité de plonger, d'aller ramasser des miettes qui du repas des orques aussi profonds. Et la question que je me pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'ils font ça pour améliorer le rush feeding de manière à mettre encore plus les baleines à bosse dans le vent, ou est-ce que c'est à cause de nous, les bateaux de whale watching, qui commençons à devenir de plus en plus nombreux sur la zone? Et là, on est en train de parler de 30, 40, 50 bateaux sur une même zone, ce qui est beaucoup trop. On comprend bien que, je veux dire, le gouvernement norvégien ne régule pas cette pratique, que cette pratique, eh bien, effectivement, avec les réseaux sociaux, est en train de partir un petit peu de manière exponentielle, sans régulation, et que ces 50 bateaux, ça sera peut-être 600 demain, on ne sait pas quoi. Et que ça impose déjà une gêne vis-à-vis des orques. Il faut aussi qu'ils aillent à la surface, qu'ils respirent, c'est dangereux avec les hélices de bateaux. Et j'aimais l'hypothèse qu'effectivement, cette évolution, c'est aussi pour nous mettre un petit peu dans le vent, pour ne pas que l'on puisse trouver l'épicentre du rush feeding pour qu'on s'approche trop près.
Donc, voilà en quelques mots cette présentation sur les orques de Norvège. Pour connecter ça avec le réchauffement climatique, il y a quelques années, les baleines à bosse, elles, ne venaient pas dans, dans cette partie-là du globe. Les baleines à bosse ne mangeaient pas de harengs. Elles se sont invitées dans le jeu il y a à peu près une dizaine d'années. Et ça a un impact considérable sur la structure sociale des orques et sur l'alimentation des orques. Cette ressource en harengs, elle est aussi convoitée par la pêche professionnelle. Pour le moment, il y a des quotas de pêche qui permettent de contrôler les prélèvements. Mais comme je vous l'ai dit précédemment, ces hivernages qui préparent la reproduction se passent toujours plus au nord, par des cycles de 4 à 8 ans, en fonction des recrutements annuels du hareng. Et on s'interroge véritablement sur le devenir de cette ressource qui, encore une fois, est essentielle à l'écosystème marin nord-atlantique. On est sur une espèce pivot, là aussi, et sur une ressource dont dépendent tous les superprédateurs, baleines à bosse, orques, bien sûr, mais aussi tous les oiseaux marins, les stocks de morues, les stocks de lieux. Il y a beaucoup, beaucoup d'espèces qui dépendent de ce stock de harengs. Et le principal révélateur, le principal indicateur de la bonne santé, c'est les orques. Pour le moment, la population est en croissance. On espère tous que ça dure. Mais voilà. Bon, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions. Oui, bonjour à tous. Merci d'être là. Alors, on ne va pas voler vraiment dans les airs. On était dans l'eau avec les orques. On a parlé un peu des écosystèmes terrestres avec Jérôme Moreau et les lemmings. Et puis là, on va être un petit peu à l'interface entre les deux. Parce qu'on va parler d'oiseaux marins, en particulier d'une espèce sur laquelle je travaille depuis une dizaine d'années maintenant. Tout d'abord, en tant que chercheur bénévole au sein de l'association qui s'appelle le GREA, le groupe de recherche en écologie arctique. Et puis, on ne s'est pas vraiment concerté avec Jérôme, et c'est super que d'avoir pris le temps en introduction pour présenter l'association. Et depuis quelques années, ouais, c'est ça, j'étais d'abord chercheur bénévole, et puis depuis une année, j'ai repris dans le cadre de mes activités scientifiques à l'université Savoie-Mont-Blanc à Chambéry, un projet sur les moitivoires qui est soutenu par l'Institut polaire français. Et dans cette présentation, je vais vous présenter un petit peu l'écologie de cette espèce, ses liens avec la glace et puis les menaces qui peuvent peser actuellement sur l'espèce à l'échelle du globe. Alors tout d'abord, j'ai intitulé la présentation « Moitivoire, une espèce sentinelle pour étudier l'impact du changement climatique sur les mers arctiques ». La moitivoire, pour les plus anciens d'entre nous, d'entre vous, c'est une espèce qu'on appelait auparavant le goéland sénateur ou parfois la mouette blanche, et qui actuellement s'appelle la moitivoire. Son nom latin, c'est Pagophila hibernua, son nom apparaîtra. Et Pagophila, littéralement, ça veut dire l'espèce qui aime la glace. Et hibernua, ça signifie ivoire en grec. Et espèce sentinelle, c'est un terme qu'on utilise de plus en plus en écologie et qui est un synonyme de bio-indicateur. C'est-à-dire que c'est une espèce qui va répondre de manière assez immédiate à des changements même infimes de son environnement. Et donc, dans cette présentation-là, je vais essayer de vous présenter, de vous convaincre que cette espèce-là, intimement liée à la glace, va directement subir les impacts des changements d'étendue de la glace dans son environnement. Alors, ce genre de graphique, on en a déjà parlé au cours des différentes présentations qui m'ont précédé, notamment hier, dès la première présentation qui nous a été faite, avec un réchauffement qui est très marqué dans l'Arctique, qui est assez hétérogène, on va le voir, et qui est surtout porté sur le Canada et puis sur le nord du Groenland. Et ce réchauffement climatique a bien évidemment des incidences sur les températures au sol, mais également sur les étendues de banquise. Ce qu'il faut savoir, c'est que la banquise, la glace de mer, est à son maximum d'extension au mois de mars. Et là, actuellement, c'est le printemps même dans l'Arctique, et donc elle va se réduire jusqu'à atteindre son minimum d'extension au mois de septembre. Et là, ce que je vous ai représenté, c'est l'évolution de l'étendue de la glace de mer depuis 1979 jusqu'à 2019, donc jusqu'à... Pardon. Oups. Hop. Alors, dès qu'il y a des vidéos, vous avez pu vous en rendre compte, ça bug un petit peu. J'espère que je vais réussir à m'en sortir. Mais vous avez, je pense, vu l'image, vous l'avez gardée dans la tête, et vous avez pu voir que l'étendue de la glace de mer a fortement réduit au cours des 40 dernières années. Et ça, c'était au mois de mars, et au mois de septembre, c'est encore plus frappant. Je pense que la vidéo ne va pas partir, je vais essayer de passer.
Et non seulement elle a réduit en extension, mais également en épaisseur. C'est-à-dire que pendant très longtemps, la réduction de la banquise s'était souvent résumée à une réduction de son extension, mais elle réduisait également en épaisseur. On a au sein des latitudes les plus élevées du globe une épaisseur de glace qui peut être multicentenaire. Et à sa marge, on a des fluctuations qui sont extrêmement importantes. Et on a eu une précipitation de la diminution, enfin une augmentation de la réduction de l'étendue de la glace parce qu'on a son épaisseur qui a diminué. Alors là, d'un point de vue technique, je pense que j'aurais besoin d'un peu d'aide parce que j'arrive plus du tout à avancer. Voilà, et je vais essayer de passer ça. Il faudrait réussir à passer à la diapositive 5. Il y a une vidéo qui m'embête. Et voilà. Donc juste pour vous présenter l'espèce sur laquelle je travaille, là les petits points rouges, c'est les sites connus de reproduction de cette espèce. Donc on va être dans l'Arctique, voire le très haut Arctique. Vous voyez qu'on a des densités de points qui sont de plus en plus importants lorsqu'on va vers le nord. Et juste pour vous présenter là où elle niche, elle va nicher sur des habitats qui ressemblent à ceci, dans des Nunataks, qui sont des massifs montagneux qui émergent à la surface de la calotte polaire du Groenland. On va les retrouver dans des endroits un peu plus originaux, je dirais. On va les retrouver à la surface d'iceberg. Ce que vous avez ici en rouge, c'est une trajectoire qui a été faite par un brise-glace allemand qui s'appelle le Polar Stern en 2014. Et au large, ici, des côtes nord du Groenland, il y a un iceberg tabulaire qui faisait à peu près 180 mètres sur 180 mètres, qui abritait une colonie de mouettes de à peu près 60 individus. Donc les mouettes nichaient sur la glace et sur ce sort d'iceberg-là, on a des restes d'une moraine qui était présente et les oiseaux nichaient sur la surface de la moraine. Alors la moraine est juste à la surface de la glace, mais ici on est en plein été, il y a de la lumière permanente et donc cette moraine de couleur sombre va absorber énormément de chaleur. Donc les oiseaux ne sont pas directement en contact de la glace et cette énergie calorique apportée par le soleil et captée par la roche va faciliter l'incubation. Sur une autre image ici, là, ce n'est pas sur un iceberg, mais c'est carrément sur la banquise. Ici, vous avez la banquise, donc de l'eau salée gelée. Et ici, vous avez des graviers qui ont été accumulés à la surface de la banquise et on a à peu près 160 individus qui nichent sur cette banquise. On a aussi des plateaux côtiers très anciens, avec très peu de végétation. Et parmi des fossiles de bivalves du précambrien, on a les mouettes qui ont fait un nid composé de lichens et d'algues et qui vont se nicher sur des endroits qui sont assez hostiles. Là, on est vraiment à presque 80 degrés de latitude nord, où il n'y a quasi pas de végétation et on a des sols nus. Et ça, c'est pour une petite anecdote. On les trouve parfois à la surface des arbres. Avec la présentation qu'Esther nous a fait hier, on a des saules arctiques qui sont présents ici, qui sont en fleurs, et parfois nos mouettes vont nicher en haut des arbres. Au niveau du statut, l'alarme en fait a été sonnée sur cet espace à partir d'une publication qui est sortie en 2004 par des collègues canadiens qui ont montré que dans l'Arctique canadien, en Nunavut, entre 1980 et 2000, il y a à peu près 70% des individus qui ont disparu. On estime actuellement à peu près à 1000 couples au Canada et dans les législations canadiennes, c'est une espèce qui est considérée comme étant à risque immédiat d'extinction. Dans le reste on va avoir dans le bassin arctique quatre grandes populations, quatre grandes poules. On va avoir des populations canadiennes, on va avoir des populations du Svalbard, on va avoir des populations groenlandaises et des populations russes. Et les populations russes sont de loin les populations qui sont les plus nombreuses, où on peut avoir plusieurs milliers d'individus par colonie, alors qu'ailleurs, on dépasse très rarement les 100 individus par colonie. En moyenne, une colonie est constituée à peu près de 60 individus, et ça peut aller de 2 individus, un couple, à 2000 individus. Donc globalement, on a une population mondiale qui est estimé à peu près à 10 000 couples reproducteurs. Si on inclut les juvéniles, on est à moins de 3 000 individus. À la suite de ma présentation, il va y avoir un film sur les mergules nains. Une colonie de mergules nains contient très souvent plusieurs millions d'individus dans les mêmes écosystèmes. Donc on a une espèce qui est représentée par très peu d'individus et qui, sur les listes rouges de l'IUCN, est considérée comme étant en déclin et quasi menacée d'extinction à l'heure actuelle. J'ai repris hier soir une image que nous avait présentée Philippe Archambault hier, où cette image-là est assez, je pense,
intéressante et puis fait le lien avec la présentation qui vous a été faite précédemment sur l'ORC, où on a ce qu'on appelle un réseau trophique, où on a les interactions possibles entre toutes les espèces des écosystèmes marins, mais qui ont des répercussions également sur les écosystèmes terrestres. Et dans ce réseau trophique, on a notre espèce, la motivoire, qui est située ici, qui en fait qui n'est pas une espèce prédatrice, qui n'est pas une espèce qui va se nourrir de poissons, de krill, de copépodes, mais qui va être une espèce qu'on considère comme étant détritivore. C'est-à-dire qu'elle va se nourrir des restes de repas, essentiellement de l'ours polaire. Donc on a un triptyque qui est quasiment continu entre les phoques, l'ours polaire et la mouette qui va se nourrir des restes de l'ours polaire. On va revenir sur ces notions-là tout à l'heure. Alors, notre espèce, où est-ce qu'elle vit? Vous allez voir, enfin, vous connaissez sans doute les trajets migratoires des espèces d'oiseaux marins, et notamment des sternes arctiques, qui ont des trajets migratoires qui sont assez exceptionnels, où on a des oiseaux qui vont se reproduire dans l'Arctique et qui vont hiverner en Antarctique. Donc, ils vont faire le tour du globe entre les aires de reproduction et les aires d'hivernage. Sur les mêmes régions de reproduction, on va avoir des espèces comme la mouette de Sabine que vous voyez ici, qui va faire des migrations transéquatoriales. Avec certaines ici, vous avez une population qui a été suivie au Canada, où on a des individus qui sont partis au large de l'Amérique du Sud ici, d'autres individus de la même colonie qui nichaient à proximité, qui sont partis ici au sud de l'Afrique du Sud. Donc il y a des trajets transéquatoriales, et puis on a certaines espèces qui, elles, vont être beaucoup plus nordiques, comme le mergule nain dont je vous parlais tout à l'heure, où vous avez ici les sites d'études, quatre sites d'études répartis dans le bassin arctique, avec des couleurs sur les colonies de reproduction, et puis les sites d'hivernage respectifs. Ce qu'on va voir ensemble maintenant, c'est que notre motivoire est quasiment la seule espèce d'oiseau marin qui va accomplir la totalité de son cycle de vie au-delà du cercle polaire arctique. Donc qui va se reproduire au-delà du cercle polaire, mais qui va également hiverner au-delà du cercle polaire arctique. Donc pour ce faire, avec le groupe de recherche en écologie arctique, le GREA, on a équipé à partir de 2007 des oiseaux avec des balises Argos, que vous avez ici. Balises Argos qui nous donnent des positions régulières sur la localisation des individus dans l'espace. On ne peut pas utiliser des systèmes GPS comme vous pouvez avoir maintenant dans vos voitures, qui peuvent être parfois très miniaturisés, pour la simple raison, c'est qu'on a une très mauvaise couverture du système GPS dans ces régions-là. Et dans ce programme-là de suivi, on a ici quatre sites qui ont été étudiés, au Groenland avec les points rouges ici, au Svalbard avec ses points verts, et puis ici en Russie avec les points bleus. Chaque point correspond à une localisation d'un individu, au mois de juillet, où on voit que les oiseaux sont concentrés sur les aires de reproduction. Aires de reproduction très nordiques. Au mois d'août, l'élevage des jeunes est quasi terminé, et on va commencer à avoir une migration estivale des oiseaux. Et tous les oiseaux vont commencer à migrer vers l'est, en direction de la Russie, du détroit de Bering, et on va avoir le long de la banquise, vous voyez ici ce qu'on a représenté, c'est la banquise, la glace de mer, et tous les oiseaux vont se concentrer le long de cette banquise. Et en août et en septembre, on va déjà avoir tous ces oiseaux-là qui vont se concentrer dans des zones, ils ne sont pas là par hasard, c'est que ce sont des zones qui sont extrêmement productives au mois d'août et au mois de septembre, et on a des grandes concentrations d'oiseaux qui se trouvent là. Les mergules nains dont je parlais tout à l'heure vont se regrouper là également en très grand nombre pour muer. Donc c'est des zones qui sans doute sont très très riches d'un point de vue alimentaire. Et à partir du mois d'octobre, on va avoir une migration retour. Vous voyez qu'on a les points des différentes populations selon leurs origines qui vont se chevaucher. Et on va avoir une migration le long de cette limite de la banquise de plus en plus vers le sud, avec quelques individus qui vont prendre la trajectoire opposée et qui vont aller hiverner au niveau du détroit de Bering. Et au mois de décembre, on va avoir tous nos oiseaux qui vont se retrouver ici dans cette région. Si on a un focus un peu plus détaillé sur les populations du Groenland, j'ai mis encadré en bleu ici, ciel, les localisations de nos individus au cœur de l'hiver, donc en janvier, février, et puis en mars, on commence à avoir des individus qui font une migration retour. Autrement dit, en hiver, on a toute notre population de mouettes du Groenland qui va se retrouver ici, en mer du Labrador, quasiment au sud du détroit de Davis, ici. Et c'est la même chose pour les populations du Canada qui vont se retrouver dans cette région-ci et les individus du Svalbard qui vont se trouver ici. Donc si je remets ça sur une carte globale qui est un petit peu palote malheureusement, ce que vous avez en rose, c'est les aires d'hivernage connues, de reproduction connues de nos oiseaux actuellement. En vert, c'est les aires de nourrissage en été de très haute productivité. Et en bleu, c'est les aires d'hivernage.
Et donc, on a tous nos oiseaux qui vont se retrouver ici, concentrés dans cette région, encore une fois, au-delà du cercle polaire arctique, ou quasiment en permanence. Alors, pourquoi elles se trouvent là ? Elles sont toujours en limite de banquise, on va en discuter plus tard, mais c'est aussi les seules régions où on a à la fois de la banquise en hiver et en même temps un petit peu de lumière pendant la nuit polaire. Si vous êtes un peu plus au nord, vous allez avoir quasiment de la nuit permanente ici. Et donc là, on est en limite de banquise où on a de la lumière. S'il y a de la lumière, il y a un petit peu de photosynthèse. S'il y a de la photosynthèse, il y a du phytoplancton, il y a du zooplancton. Donc on a tout un réseau trophique qui peut s'établir dans ce secteur-là. Donc nos mouettes vont être là où il y a de la glace, mais là où il y a de la nourriture en plus. Et quand on a voulu s'intéresser vraiment, bon, c'est Pagophila qui aime la glace, est-ce qu'elle aime vraiment la glace et comment elle aime la glace ? Donc avec ces programmes conjoints qu'on mène avec le GREA, mais également avec des collègues canadiens, russes et puis norvégiens, on a mis ensemble toutes les informations qu'on avait sur le déplacement de nos mouettes, suivies entre 2007 et 2013, donc ça fait en total 104 mouettes ivoires qui ont suivi, et en tout on a eu plus de 250 000 positions de nos oiseaux. Ce que vous avez ici sur cette carte, c'est toutes les localisations qu'on a. Ici, représentées en bleu, ce que vous avez ici, c'est la moyenne entre 2007 et 2013 de la banquise de mer au mois de septembre. Et ici, c'est l'étendue maximale au mois de mars. Et donc, nous, on s'est intéressés, on a toutes ces localisations. Mais où est-ce qu'ils sont exactement, nos oiseaux, par rapport à la glace ? Et ça, c'est représenté sur ce graphique, où je vais vous aider aussi à le lire, sur l'axe des X. Ce que vous avez ici, à zéro, c'est l'ice edge, c'est la limite de la banquise. C'est la transition entre l'eau libre et la glace. Plus on va vers les valeurs négatives, et plus on est sur de la glace, et plus on va vers les valeurs négatives, et plus on est dans l'eau libre. Et en fait, quand on regarde les près de 250 000 positions qu'on a, on a 50% de ces localisations qui se trouvent dans un rayon qui est à peu près de 41 km autour de l'Ice Edge. Et on a 75% de nos localisations qui sont à 100 km autour de l'Ice Edge. Et pour nos oiseaux marins, j'y reviendrai, 100 km, c'est absolument rien à parcourir dans une journée. Donc on a des oiseaux qui sont tout le temps sur la glace, et quand ils ne le sont pas, ils sont entre la glace et l'eau libre. Et quand on regarde les fluctuations annuelles, ce que vous avez ici, c'est en fonction du mois, de janvier à décembre, le pourcentage de points qui sont sur chacun de ces trois types d'habitats. Et on voit que quelle que soit la période de l'année, elles sont toujours sur de la glace, jusqu'à plus de 80% ici. Dans certaines circonstances, elles vont se rapprocher de l'eau libre ou de l'ice edge, et ça, c'est les périodes où elles sont en migration. Donc, c'est-à-dire qu'elles vont couper la glace pour pouvoir rejoindre leurs aires d'hivernage. Et ce qu'on a par ailleurs, c'est que la plupart du temps, elles sont sur une glace qui est relativement compacte. L'ice edge, cette limite, il ne faut pas voir forcément ça comme une limite physique rectiligne. Ce n'est pas un trait, mais c'est une transition lente entre une glace très compacte et une eau libre, avec différentes surfaces plus ou moins fragmentées comme ça de banquise. Ce qu'on a voulu faire un peu ensuite, c'est toujours partir sur ces colonies pour essayer de comprendre. Nos oiseaux sont actuellement en déclin. Qu'est-ce qui pourrait être l'explication de ce déclin ? Pour ça, on est retourné dans les archives qui étaient à notre disposition sur les effectifs présents dans toutes les colonies. Depuis, on est remonté jusque dans les années 1800. Et pour essayer de comprendre s'il y avait eu des conditions climatiques qui ont évolué sur les sites de reproduction au cours des dernières décennies. Alors malheureusement, si on avait des informations sur les effectifs des colonies, on n'avait pas forcément les données climatiques associées aux conditions de reproduction dans l'Arctique il y a 100 ans en arrière. Donc pour ça, on s'est focalisé sur les 40 dernières années et on a regardé quelles étaient les conditions climatiques qu'il y avait en 1980 dans les colonies qui étaient occupées et quelles étaient les conditions climatiques dans les colonies qui étaient encore actives en 2010. Et ça nous a permis de créer un modèle où on intègre la localisation de la colonie, les effectifs des oiseaux nicheurs, et puis différentes variables environnementales, les précipitations, la température, le degré d'enneigement, les écarts les plus importants au mois de juillet entre les températures les plus chaudes et les températures les plus froides. Et ça nous permet de créer un modèle. Et ce modèle-là nous donne une évolution des conditions
favorables à la reproduction entre 1980, avec plus les couleurs sont chaudes et plus ce seraient des conditions qui seraient favorables, et plus les couleurs sont froides, plus les conditions se sont dégradées. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que sur les sites de reproduction connus, on a une dégradation des conditions de reproduction essentiellement au Nunavut, qui est représenté ici, région où, par ailleurs, on a pu noter qu'il y avait le plus fort déclin. Le sud du Groenland, c'est la même chose. Actuellement, les seuls sites de reproduction au Groenland se trouvent dans le nord du Groenland. Ces sites ici sont, ont complètement disparu. Donc ce modèle-là, qui est un modèle qui reste encore à améliorer, à compléter, nous montre qu'on a une dégradation des conditions climatiques sur les sites de reproduction. Ça, c'est à partir des modèles, et ça, c'est quelque chose qui est complètement perceptible actuellement et qu'on a pu nous-mêmes expérimenter ou percevoir sur le terrain. À plusieurs occasions, ou en tout cas à deux occasions, dans le très haut Arctique, ici, on a une station de recherche, enfin une base militaire et maintenant une station de recherche qui s'appelle Station Nord, qui est à 80 degrés de latitude nord. Et c'est une station de recherche dans laquelle il y a des enregistrements, notamment des températures, depuis le début du XXe siècle. Ici, je me suis focalisé sur l'évolution des températures à Station Nord depuis 1960 jusqu'à 2014, dans le cas précis. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est que sur la période considérée, on avait à peu près 2,75 une augmentation des températures de 2,75 degrés Celsius sur la période considérée. Alors, c'est presque 3 degrés, et qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence d'avoir une augmentation comme ça des températures? Ce qu'il faut imaginer aussi, c'est que cette région-là, c'est considérée comme un désert arctique. C'est une région où il y a très peu de précipitations en moyenne. Mais comme il fait froid, dès qu'il y a des précipitations, ça va rester au sol, ça va rester sous forme de neige, ça va s'accumuler. Mais lorsqu'il y avait des précipitations, et rares, au début de la période considérée, ces précipitations se faisait lorsqu'on a des températures au sol qui étaient autour de 2 degrés. Et on sait, lorsqu'il y a des précipitations et qu'il fait 2 degrés au sol, ces précipitations vont tomber sous forme de neige sur la végétation, sur le sol. Si vous connaissez les tétraonidés, les lagopèdes, les tétralyres, en hiver, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des igloos. C'est-à-dire qu'ils vont construire, ils vont creuser la neige pour s'isoler du froid dans un igloo. Et la neige a un très bon pouvoir isolant. Si vous faites parfois des randonnées en raquettes ou si vous avez déjà parcouru les montagnes, et, une des choses qu'on vous apprend, c'est à construire un igloo si vous êtes bloqué dans la neige, à pouvoir survivre en étant dans la neige. Donc, c'est vrai qu'au début de la période, même s'il y avait des précipitations, c'était sous forme de neige, donc ça allait isoler les nids. Au cours de la période considérée, on a une augmentation des températures. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des précipitations, c'est plus sous forme de neige que les précipitations tombent, mais c'est sous forme de pluie. Et la pluie n'a pas du tout la même sensation lorsqu'il y a une averse de neige et une averse de pluie. Et en 2009, on suivait une colonie d'Amdrupteland, qui se trouve ici, dont est issu ce poussin avec son jeune frère qui est en train d'éclore ici. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en pleine nuit, on a commencé à entendre sur notre tente des petits poc, poc, poc. On était extrêmement surpris d'entendre de la pluie au mois de juillet, en pleine période de reproduction. Et puis pendant 24 heures, on a eu de la pluie. Au bout de 24 heures, il y a du vent qui s'est levé et en fait, on a eu une tempête de pluie et de vent pendant 36 heures. On avait monitoré, on avait suivi cette colonie. Sur cette colonie, on avait à peu près une centaine d'oiseaux nicheurs, une centaine de couples nicheurs, pardon, avec une taille de ponte qui était de 1,46, c'est-à-dire qu'il y a des individus qui faisaient un poussin, d'autres qui en faisaient deux. Et on avait compté sur l'ensemble de la colonie 83 œufs et puis 48 poussins qui étaient présents. Lorsqu'on est revenu après ces 36 heures de tempête, voilà les effectifs qu'on a observés sur cette colonie. Plus aucun œuf présent dans la colonie et uniquement 3 poussins hagards qui erraient dans la colonie à la recherche de leurs parents. Parce que lorsqu'il s'est mis à souffler, les parents ne pouvaient plus couver les œufs, protéger les œufs, donc les poussins étaient complètement exposés aux conditions climatiques. Et on a retrouvé énormément de poussins qui étaient complètement trempés, humides, et qui, à la suite des 36 heures de tempête, sont complètement morts. Et 2 ans plus tard, à Station Nord, le même phénomène où pendant 3 jours, on a eu de la pluie continue et avec un peu moins d'oiseaux nicheurs. Et à la suite de la tempête, c'était pareil, plus aucun œuf, plus aucun poussin. Fondamentalement, ce n'est pas forcément un problème pour l'espèce qui nous intéresse parce que c'est une espèce qui est dite longivive. C'est-à-dire que c'est une espèce qui va vivre jusqu'à une trentaine d'années. Donc sur une trentaine d'années, un oiseau
peut être capable de sauter un épisode de reproduction. Ça ne va pas forcément avoir une incidence sur la dynamique à long terme de la population. Le souci qu'il peut y avoir, c'est que là, on est juste à 2 années d'intervalle et les deux colonies ici sont en distance d'à peu près 80 km. Donc, c'est des colonies qui sont spatialement très proches. Et c'est potentiellement les mêmes individus qui se sont reproduits une année à un endroit, qui se sont produits 2 années plus tard à l'autre endroit. Et donc, ces phénomènes-là, c'est quelque chose qu'on observe de plus en plus fréquemment dans l'Arctique. C'est quelque chose qui devient de plus en plus commun, avec une augmentation de ces phénomènes climatiques extrêmes et qui se répètent de plus en plus fréquemment, vont très certainement avoir un impact sur la dynamique à long terme de la population. Par ailleurs, c'est une espèce qui vit dans des conditions relativement dures, arides, et cette espèce-là saute très régulièrement des épisodes de reproduction. C'est-à-dire que suivant les conditions climatiques à un moment donné, si elle s'est reproduite l'année précédente, elle ne va pas forcément se reproduire cette année-là. Donc on a une espèce qui va commencer à se reproduire à partir de 4, 5, 6 ans et qui ne va pas forcément faire un épisode de reproduction tous les ans. Donc c'est-à-dire que même si elle, vit jusqu'à 30 ans, ça ne veut pas forcément nécessairement dire qu'elle va se reproduire tous les ans. Et peut-être qu'elle va avoir 3, 4, 5 générations de poussins qu'elle va produire. Ce qu'on a essayé de faire aussi, c'est qu'on avait des informations comme quoi les individus étaient très mobiles, les données GPS nous l'ont confirmé, ou l'Argos que je vous ai présenté aussi, avec des populations qui vont toutes hiverner ici. Et notre question, c'était, est-ce que si on conserve toutes ces populations-là dans un parc marin en hiver, est-ce que ça nous suffirait à sauver, ou en tout cas à préserver, la totalité de l'espèce. Donc pour ça, nous, ce qu'on a voulu voir, c'est est-ce que nos populations sont très différenciées génétiquement ? Est-ce qu'on a affaire à plusieurs populations distinctes entre les populations canadiennes, groenlandaises, du Svalbard ici ou de Russie ? Et pour ça, on a utilisé une information qu'on appelle l'information génétique, où on est capable, à partir de l'ADN des individus, de les assigner à une population. Et le déclin, ce qui a motivé notre étude aussi, c'est qu'on avait un déclin majeur des populations, notamment au Nunavut. Et on collabore avec des collègues canadiens qui nous ont dit que mais nous, avec ce déclin-là, l'espèce étant considérée comme en péril au Canada, c'est une espèce qui, par ailleurs, est très imprégnée, très présente dans la culture inuite. On en a déjà parlé hier avec le film de Noé Sardet. Esther en a parlé également. Les Inuits vivent dans des environnements c'est des populations qui sont très connectées à leur environnement. Et les espèces arctiques sont extrêmement importantes d'un point de vue culturel et dans leur cosmogonie, dans leur univers spirituel. Et ici, ce que j'ai trouvé, c'est une sculpture qui a été faite dans un os de baleine avec ici des moites ivoires qui sont sculptées dans l'ivoire de morse. Ici, ce que vous avez, c'est une gravure avec à nouveau des oiseaux marins qui sont représentés ici. Et ce que vous avez là, c'est de l'art contemporain occidental, mais qui nous a été très utile. C'est que lorsqu'on a voulu mettre en place notre projet scientifique, on nous a dit que ça va être impossible d'aller échantillonner des oiseaux dans l'Arctique canadien en particulier. Si vous voulez faire des analyses génétiques, vous allez leur arracher des plumes, vous allez leur faire des prises de sang, ce qui se fait classiquement chez les oiseaux. Ça ne va pas être accepté. Et nous, ce qu'on a proposé, ce qu'on a essayé de mettre au point, c'est des techniques qui sont utilisées en génétique humaine. C'est-à-dire que si on veut faire votre profil génétique, ce qu'on fait très souvent, c'est qu'on prend un écouvillon, un coton-tige, ce qui est représenté ici, et puis on va vous prendre un peu de salive. Et nous, on a dit, on va faire la même chose chez les oiseaux. On va être le moins invasif possible dans notre échantillonnage, et on va juste prendre un petit peu de salive. Et là, les autorités canadiennes nous ont dit « D'accord, si vous faites ça, on vous donne les permis pour pouvoir aller chercher des oiseaux. » Et donc, on a développé ce programme-là dans l'ensemble du bassin arctique, où on a demandé à nos collaborateurs d'utiliser des petits cotons-tiges, des Q-tips, pour aller chercher de la salive et pour pouvoir identifier individuellement chaque individu. Et donc, à partir de ça, on a pu évaluer ce qu'on appelle la structure génétique. C'est nos populations, dans quelle mesure elles sont différenciées génétiquement les unes des autres. Si elles sont très différenciées, ça veut dire qu'il y a très peu de migration entre les populations. À l'inverse, si elles sont génétiquement homogènes, ça veut dire qu'on a des phénomènes de dispersion extrêmement élevés. C'est qu'un individu qui se reproduit à un endroit, qui est né à un endroit, va être capable de se disperser et de se reproduire ailleurs.
Et ce qu'on a observé, c'est qu'à l'échelle de l'océan Arctique, on a une homogénéité génétique complète. Et on considère que pour cette espèce de 12 000 individus, on a une seule population mondiale. Alors ça, c'est assez paradoxal. Et ce paradoxe, c'est un petit peu un paradoxe des oiseaux marins, c'est que c'est des oiseaux qui sont capables de faire des dispersions à très très longue distance. Vous avez vu tout à l'heure la sterne arctique qui va se reproduire au Groenland et puis qui va hiverner en Antarctique. Jérôme Moreau, tout à l'heure, vous a parlé des labs à longue queue. Les labs, c'est pareil, ils vont se reproduire en Arctique et puis on va les retrouver au large de l'Afrique du Sud en hiver. Et pourtant, et en particulier dans les programmes que vous a présenté Jérôme, on a capturé des labs au nid, et l'année suivante, on les a recapturés quasiment au même endroit. Donc, c'est des oiseaux qui sont extrêmement fidèles à leur aire de reproduction. Et là, c'est ce qu'on appelle le paradoxe des oiseaux marins. Ils sont capables de se disperser à très, très longue distance, et pourtant, ils reviennent année après année au même endroit pour se reproduire. Et notre espèce, nous, elle ne répond pas du tout à ce paradoxe. C'est qu'une espèce qui est capable de faire des grandes migrations, mais qui est sans doute capable de disperser également d'un site à l'autre, qui n'est pas viscéralement attaché à son site de reproduction. Et qu'est-ce qui peut se passer pour expliquer cette homogénéité-là? Il y a deux phénomènes qui peuvent concourir ensemble. C'est ce qu'on appelle la dispersion juvénile. C'est qu'un juvénile, un poussin va naître à un endroit, et puis lorsqu'il va vouloir se reproduire, il va changer de colonie. Mais ce qu'on peut avoir aussi, c'est la dispersion adulte. C'est-à-dire qu'un individu qui s'est reproduit à un endroit va se reproduire ailleurs l'année suivante. Et ce qui est extrêmement rare chez les oiseaux marins. Et pour expliquer ça, on a construit un modèle mathématique où on a dit à notre modèle, mes mouettes, elles sont dans des colonies de 50, 100, 250, 1000 individus. J'ai une homogénéité génétique, donc j'ai une différenciation qui est de zéro. Est-ce que tu peux me dire quel est le taux de dispersion juvénile et adulte qui me permettrait, considérant ma taille de population, d'obtenir cette homogénéité génétique? Et en moyenne, je vous avais dit précédemment, on a des tailles de colonies qui sont autour de 75, qui seraient par ici. Donc ça veut dire que pour obtenir notre homogénéité génétique avec une taille de population de 75 individus, il faudrait qu'il y ait 50% des juvéniles qui dispersent et 50% des adultes qui dispersent d'une année à l'autre. Et ce qui n'est jamais observé chez les oiseaux marins. Et pourtant, c'est ce que nos informations génétiques semblent montrer. Ce qu'on a pu voir par ailleurs à partir de ces informations génétiques, c'est qu'on a pu avoir une évaluation assez fine du sexe des individus, parce qu'on a une espèce qui est entièrement blanche et qui est très peu dimorphique. C'est-à-dire que si vous avez une mouette entre les mains, une mouette ivoire, vous êtes incapable de dire si c'est un mâle ou une femelle. On y arrive maintenant en prenant toute une série de mesures morphométriques et en faisant des équations discriminantes qui permettent de distinguer les oiseaux, mais à l'œil nu, comme ça, c'est impossible à le faire. Donc on a utilisé des informations génétiques pour faire ça. Et puis, une autre grande surprise qu'on a observée, c'est que dans notre population mondiale, on avait un sex ratio. Ce qu'on appelle un sex ratio, c'est le nombre de mâles qu'il y a pour le nombre de femelles. Dans la population humaine, on a un sex ratio qui est à peu près de 50%. C'est-à-dire qu'à la naissance, on a 50% de mâles qui naissent, 50% de femelles. Ici, on a un sex ratio qui est dit fortement biaisé, c'est qu'on a près de 70% de mâles dans notre population. Et ça, c'est extrêmement rare, encore une fois, dans les populations animales. Si vous avez en tête les systèmes d'accouplement des cerfs, par exemple, vous avez le mâle dominant qui est capable de s'accoupler avec une vingtaine, trentaine de femelles. Dans la situation inverse, ce sera beaucoup plus compliqué. Si vous avez une population où vous avez une femelle pour une trentaine de mâles, la femelle elle va s'accoupler qu'avec un mâle et les 29 autres mâles, ils ne vont pas se reproduire. Et dans cette situation, nous, c'est ce qu'on a également, c'est que dans notre population, on a ce biais-là qui est extrêmement poussé. Alors, quand on a observé ça chez les adultes, on s'est dit, c'est peut-être qu'on a une moins bonne survie des femelles dans notre population. Et cette moins bonne survie expliquerait le déclin de notre population. Sauf que le souci qu'on a, c'est que ce biais de sex ratio, on l'observe également chez les poussins à l'éclosion. C'est-à-dire que dans l'œuf, on observe également ce biais qui est présent. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de survie, mais c'est vraiment c'est à la conception que ce biais-là est observé. Alors ça nous interroge beaucoup. C'est qu'est-ce qui peut causer un biais comme ça à la conception de sex ratio? Dans les populations humaines, on sait qu'il peut y avoir des biais qui peuvent être introduits par ce qu'on appelle des perturbateurs endocriniens. Dans les populations animales, on sait, lorsqu'il y a énormément de pollution, on peut avoir ce biais.
Et là, on s'est dit, oui, dans les systèmes où on a affaire à une espèce qui est détritivore, ce qu'on va avoir dans le réseau trophique, on va avoir un phénomène qu'on appelle de la biomagnification, bioaccumulation. C'est-à-dire qu'on va avoir des polluants qui peuvent être à très faible concentration dans les niveaux trophiques les plus bas. Et puis, petit à petit, on va avoir une augmentation de ces perturbateurs, de ces polluants dans les réseaux supérieurs. Notre crevette, notre copépode, notre krill, il va être mangé par des poissons. Notre poisson, il va être mangé par des phoques. Notre phoque, il va être mangé par, par l'ours. Notre phoque, pour pouvoir vivre, il va manger des centaines de poissons. Notre phoque, il va manger des centaines de phoques. Notre ours. Et notre mouette, elle va se nourrir sur les carcasses des phoques. Donc, elle va se retrouver en fin de réseau trophique, là où les perturbateurs, là où les pollutions seraient sans doute les plus élevées. Puis, en faisant un peu la littérature, voilà un peu ce qu'on a trouvé dans la littérature. Ici, vous avez notre mouette qui va se nourrir sur des carcasses de phoques, à proximité d'un ours. Et là, vous avez une carcasse de phoque avec notre mouette ivoire ici, qui est à proximité d'une autre espèce de laridée qui est assez fréquente dans l'Arctique, qu'on appelle le goéland bourgmestre. Et dans cette étude-là, des collègues norvégiens ont étudié les taux de PCB et de DDE, qui est le métabolite issu du DDT. Alors, on est dans l'Arctique, hein, il n'y a jamais de DDT qui a été épandu là-bas. Mais les courants font que les PCB, les DDT, migrent vers les régions les plus arctiques. Ce que vous avez, les couleurs les plus foncées représentent les PCB, les plus claires, le DDE. Les couleurs vertes correspondent aux mouettes ivoires, et puis les couleurs bleues correspondent aux goélands leucophées. Ici, vous êtes au Svalbard, ici, vous êtes en Russie, et puis là, on est au Canada. Pour une espèce comme le goéland bourgmestre, qui va se nourrir à peu près de la même façon, chez notre espèce de mouette ivoire, on a des taux de polluants qui sont beaucoup plus élevés dans les œufs que ce qu'on va retrouver chez notre goéland bourgmestre. Et notre hypothèse, c'est que ces taux extrêmement élevés de contaminants, de polluants au sein des œufs peut expliquer ce biais de sex ratio qu'on a à la naissance. Donc on a ce phénomène-là qu'on continue à explorer, à étudier pour mieux comprendre un petit peu quel est l'impact de ces contaminants. On sait par ailleurs que ces contaminants ont un effet très fort sur la construction des coquilles, avec des coquilles qui sont de plus en plus fragilisées lorsqu'on a des taux de contaminants qui sont extrêmement élevés lors de la conception des œufs. Pour vous montrer encore un peu plus en quoi cette espèce est assez fascinante et pourquoi on y travaille depuis longtemps, ici je vais vous raconter l'histoire d'une espèce, d'une mouette qu'on appelait la mouette pressée, qui est une mouette qu'on a suivie à partir de 2007 jusqu'à 2009 quasiment, et qui a été assez exceptionnelle en plusieurs points. Donc ici, vous avez le Groenland qui est représenté ici. Vous avez en blanc la banquise au mois de mars. Et là, on se situe au 16 mars. On est dans la mer du Labrador, pas très loin de Nuuk. Et ce 17 ou ce 16 mars au soir, notre oiseau nous envoie des localisations. Elle est au large de Nuuk, tout va bien, elle est sur son aire d'hivernage. Moins de 24 heures plus tard, on reçoit à nouveau une salve de localisation. Puis là, étonnamment, ces salves de localisation nous la situent à peu près au niveau du golfe du Scoresby, ici. Donc en moins de 24 heures, notre oiseau a fait 1000 km. Alors, il nous manque des localisations. Vous voyez que chaque petite punaise, là, ça correspond à une localisation. Mais notre hypothèse, là, c'est qu'elle est allée en ligne droite, ici. Si elle est allée en ligne droite, elle est passée à plus de 3000 mètres. Là, elle est au niveau de la mer. Là, elle est montée à 3000 mètres pour pouvoir descendre sur le golfe du Scoresby. Donc, si elle a parcouru en moins de 24 heures ces 1000 km, elle a effectué ce trajet-là à une vitesse moyenne de 56 km/h. L'histoire ne s'arrête pas là. Parce que sur ces 24 heures, elle a en particulier parcouru 800 km en 19 heures. À une vitesse moyenne de 150 km/h, elle n'est jamais descendue à moins de 100 km/h et on enregistre des pointes à 200 km/h. Et ça, c'est quelque chose qui surprend. On a contacté Argos, on leur dit « Est-ce que vous pouvez vérifier la nature de vos satellites? Est-ce qu'il n'y a pas un bug? Est-ce qu'il n'y a pas les Russes qui sont derrière, qui sont en train de jouer avec votre satellite ?» Ils nous ont dit « Toutes nos localisations dans la région sont sûres, vos points sont certifiés. »
Donc là, on a commencé à se creuser la tête, on dit comment est-ce que notre oiseau peut voler à 200 km/h. Pour ceux qui s'intéressent un petit peu à la vitesse des oiseaux, c'est les vitesses 200 km/h, à peu près ce que certains faucons pèlerins peuvent atteindre lorsqu'ils sont en piqué direct pour pouvoir attraper leur proie, et c'est sur des distances, c'est sur des temps très courts. Là, on est à 150 km/h de moyenne. 150 km/h à plus de 3000 mètres d'altitude. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé quels étaient les vents qui pouvaient circuler sur cette trajectoire-là, ce soir-là. Donc, encore une fois, 3000 mètres de nuit, au mois de mars. Et ce qu'on a noté, donc on avait les profils des vents sur la trajectoire, et on avait des vents qui, à la surface de la calotte, étaient plutôt modérés. Puis plus on montait en altitude, et plus on avait des vents forts qui pouvaient correspondre au déplacement de notre oiseau. Et ce qu'on a noté, c'est qu'à 7000 mètres d'altitude, il y avait un jet stream à 200 km/h. Et notre hypothèse la plus probable, c'est que notre oiseau se soit fait prendre dans ce jet stream et aurait traversé la calotte en moins de 19 heures, étant prise à 7000 mètres d'altitude dans ce jet stream. On n'était pas présent, on n'a aucune confirmation de ça, mais c'est l'explication la plus plausible qui peut expliquer ces déplacements aussi rapides que ça. Alors nous, qu'est-ce qu'il nous reste à faire sur cette moitié voire? Ce qu'on a fait depuis l'année passée, c'est qu'on a déployé également des balises GPS sur ces oiseaux-là. Balises GPS à très haute fréquence qui nous donnent des informations à la seconde à 40 Hz. Donc c'est-à-dire qu'en temps continu, on peut savoir ce que fait notre oiseau. Et notamment, ce qui nous intéresse maintenant, c'est qu'on a vu qu'il y avait des contaminants à des taux très élevés chez cette espèce. Où est-ce qu'elle les prend? Où est-ce qu'elle va se nourrir? Est-ce que c'est sur les aires d'hivernage? Est-ce que c'est sur les aires d'estivage? De quoi elle va se nourrir exactement? Qu'est-ce qu'elle va chercher sur cette banquise, sur cette ice edge? On a déjà des informations qui nous disent que lorsqu'elle part de sa colonie pour aller se nourrir, elle va à plus de 250 km de sa colonie. Elle parcourt des territoires grands comme l'Irlande, comme deux fois la Suisse, avant de revenir couver ses œufs. Donc elles couvrent des surfaces qui sont assez exceptionnelles. Donc on a encore plein de choses, et puis j'espère bien pouvoir venir vous présenter ça dans les années prochaines. Donc ce travail, bien sûr, je ne le fais pas seul. Il a été initié en 2003 par le GREA, et notamment par Olivier Guilic, que vous voyez ici, qui est le président du GREA, avec qui on collabore sur ce projet Moitivoire, en tout cas pour ma part, depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Pour tous les aspects génomiques, génétiques des populations, et puis pourquoi je suis impliqué dans ce programme-là, ça a été initié avec un collègue de la station biologique de Roscoff, qui s'appelle Thomas Broquet. Et puis, tout ça, c'est parti d'une bouteille de vin un samedi soir, comme ça part souvent les projets scientifiques. Puis on s'est dit, tiens, si on allait travailler sur cette mouette, et puis on a fini la bouteille. Puis le lendemain matin, on a essayé de se rappeler ce qu'on avait fait, puis c'est pour ça qu'on est parti sur ça. Puis au niveau logistique, on est soutenu par l'Institut polaire français, par l'Université de Lausanne, et puis par l'armée danoise. Puis on a plein de partenaires, parce que ce travail-là, à l'échelle circumpolaire, ça se fait forcément avec beaucoup, beaucoup de monde. Je vous remercie de votre attention.